Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a les gens qui sont là ce samedi matin? Ah bah Bilouk, t'es le premier. Ah t'es vraiment méga attaqué quoi. T'y rigolais pas. Bon, est-ce que tu peux taper sur le petit bouton pour rejoindre le live? Bonjour à tous. Salut Yannou. Salut Alex. T'étais pas au boulot, Alex. C'est pas bien. Tu m'as dit que t'étais au boulot. Ça va chez vous ce samedi matin? Vous n'êtes pas en train de pédaler comme des dératés là tous pour profiter des 100 km à la ronde? Bah alors Bilou, que j'ai vu que t'étais connecté, t'arrives à joindre le live? Ah oui. Coucou, coucou Baron. Salut Gérard. Ça bosse pour moi. Ah oui, bah, ça bosse dur hein, devant le live de Josette. Bon allez, on va inviter Milouk. Si je savais bien. Non, raté. Alors attendez. Pourquoi ça bug encore? Non. Quand même, Milou, il y a des gens qui sont venus exprès pour entendre un salut toi en direct. Mais j'arrive pas à te. Oh, c'est tout rouge. Alors, attends. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Voilà. Je me doutais que ça prendrait la. Je me doutais que ça prendrait la caméra de face, donc j'ai mis un petit scotch rouge dessus. Ah oui, bah oui, il fallait garder ta. Hashtag anonymat, quoi. Ah bah oui, c'est ça. Comment Bah moi vas-tu, Vera, Josette, Céline? Oh, j'ai la génial, la banane. banane, là, Salut. là, je l'ai même pas, celui-là, je l'ai même pas, là, là, tu me Bah ouais, salues. bah moi je l'ai. Oh, Et ouais. pire de Enfin, ceci. tu peux pas tous les avoir non plus, quoi. Mais moi j'ai plus de gapette Bilouk, hein. Je me suis fait dévaliser, faut que je m'en refasse. Hein. Ah bah tiens, Je voilà, bah regarde dans les c'était placards. une de mes questions. Combien est-ce que tu t'en as produite au final, tu sais pas? Je crois que la dernière fois qu'on avait discuté, c'était une trentaine, je crois. Ouais. Mais je sais plus quand c'est qu'on a discuté, je sais plus que C'était il j'en y ai a plus longtemps, ouais. depuis. C'était il y a longtemps. Voilà. Mais ça s'est un peu calmé. Au début, c'était comme des oufs, et puis là, ça s'est un peu calmé. Mais Ouais. ouais, je sais plus, j'ai dû en faire 3-4 depuis. Là, j'en ai deux, je crois, qui doivent être imprimés. Donc, ouais. Bon, il y a les gens qui sont venus, je sais pas, t'as entendu, ils sont venus exprès pour entendre ton salut, toi. Donc, va falloir le Mince, faire en direct. bah Hein. oui, zut, alors j'ai raté mon coup là. Bah oui, bon, on recommence. Salut toi, Allez, tu vas 3, bien? 1. En plus, c'est pas mon micro de d'habitude là, c'est le kit piéton de mon téléphone parce que les lives Insta c'est frustrant. Tu peux pas utiliser tes Ouais. caméras, tes webcams, tes machins là, c'est straight on the phone. Bah ouais, tout ton matos de ouf, tu peux Bah pas. non, voilà, c'est ça. Super frustration, hein. Bah ouais. Mais ça fait bizarre de parler à des choses qui ne bougent pas. Oui, bah oui, je suis désolé. Attends, 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 ça peut bouger, ça peut Attends, bouger. est-ce que Regarde, ça peut bouger? voilà, ça bouge. C'est pas mal. Oui, c'est un peu nul, C'est hein. pas mal. C'est un peu nul. Mais en plus, c'est tout flou. Enfin, chez moi, c'est tout pixelisé. Donc, je sais pas si les gens y voient. Est-ce que je peux accrocher mon minot à l'envers? Non, bon, je laisse tomber. Bon, il est où le déguisement? Bah ouais, t'avais parlé d'un déguisement. On est super déçus, Ah oui, non, 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 mais oui, je plaisante. là. C'est vrai que c'est tout pixelisé là. Alors qu'est-ce qu'il a, mon Wi-Fi? Il est tout pourri. Bah, je sais pas, ton wifi, ta 4G. Et là, Ça, c'est la banlieue parisienne. Hein, mais la voix passe bien quand même. oui, t'inquiète, la voix, Bon, ça bah voilà, passe. bah tant mieux alors. Voilà. C'est tout le Bon. mieux. Bon, je vais commencer par poser des petites questions parce qu'il y a plein de gens qui te connaissent, mais je crois qu'il y a plein de gens qui ne savent pas non plus quitter. Et moi, j'ai plein de questions, enfin, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas de toi. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter? Eh ben salut, je m'appelle Bilouk, on va dire, hein.
Oui. Je peux pas mettre de bip quand tu parles, alors. J'ai 43 ans et puis comme beaucoup, beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens, je me déplace à vélo. J'insiste là-dessus parce que ça a trait à une discussion que j'avais eue en message privé sur Twitter où quelqu'un me demandait, Rabbitbol, me demandait, tiens, t'as pas l'impression que la cyclosphère, alors la cyclosphère, c'est cette espèce de bulle, de petite bulle de cyclistes qui partagent des choses sur les réseaux sociaux et qui viennent alerter aussi pour certains les autorités locales, tout ça. Enfin, c'est, voilà, c'est une nouvelle forme de militantisme, c'est-à-dire que Ouais. t'es pas forcément dans une association, t'es pas forcément à la FUB, chez MDB, pour les Franciliens ou des choses comme ça, mais tu es actif sur les réseaux sociaux pour venir alerter les autorités sur tel aménagement, tel comportement, voilà, et sur ta condition de cycliste urbain ou urbaine au quotidien, quoi. Voilà. Et donc, il y a une toute petite bulle qu'on appelle la vélosphère, que c'est Ouais. Alexis Magnaval, un journaliste qui avait inventé ce terme, et c'était Ouais. vachement mignon, en fait, sur cette toute petite bulle de cyclistes urbains et urbaines du quotidien qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Mais cette petite bulle, c'est vraiment un microscopique appendice de ce que représente la communauté en général. C'est-à-dire que, Oui. en gros, 99,9% des gens qui se déplacent à vélo n'en parlent pas sur les réseaux sociaux, ne sont pas du tout actifs sur ce sujet, de la même manière que toi, quand tu vas prendre ta voiture, tu ne vas pas aller raconter ton trajet en voiture, ou quand tu Oui. vas prendre les transports en commun, tu ne vas pas forcément en parler. Voilà. En fait, c'est un peu la face visible de l'iceberg vélo, la vélosphère. Exactement, exactement. Ouais. Et puis elle est assez Donc mouvante, hein. c'est pour ça que vous avez toujours l'air un peu revendicatif, parce qu'en fait, les gens qui sont là veulent vraiment dire des choses, tous les autres ne disent rien mais ne font pas rien non plus, quoi. Alors, C'est pour ça on aussi. n'est pas tous revendicatifs de la même manière. C'est vrai que Ouais. chez les cyclistes présents sur les réseaux sociaux, et puis il y a pas mal de piliers de gens qui sont très très actifs, qui sont pour certains toujours systématiquement dans la revendication. Et ce n'est pas la base de ma démarche personnelle. C'est-à-dire que moi, je pars du postulat de départ que c'est quand même vachement bien de se déplacer à vélo. C'est quand même Bah ouais. super Et donc, sympa. pardon. Et donc, à quel moment tu t'es mis au vélo slash vélo taf? C'est peut-être pas au même moment, mais Je m'y suis mis au collège, en fait. d'accord. Dès la sixième. C'est tout con, hein, j'étais à 400 mètres du collège. Hein, mais c'est juste que ça ne m'intéressait pas de perdre du temps à marcher. Ça allait tellement plus vite à vélo. Et Ouais. voilà, l'histoire a commencé là. C'est-à-dire, la sixième, une petite ville de banlieue éloignée, très éloignée de Paris. Enfin, tu faisais 3 km, tu étais dans le Loiret, donc c'était vraiment ce genre de ville très paisible. Et voilà, petite ville de banlieue, je sais pas, il y avait quoi, même pas 10 000 habitants, quoi. Il y avait un seul collège. Et Ouais. j'y allais à vélo. Je me souviens, il y avait des râteliers à vélo. Alors les râteliers à l'ancienne, tu sais, c'est des trucs en béton où tu poses ta roue avant et puis tu accroches ton vélo à lui-même parce qu'il n'y a pas de point fixe. Mais il y en avait des Ouais. centaines, il y en avait des centaines. Et c'était une espèce de culture générale chez les gamins de l'époque parce que c'était plus rapide que de marcher pour venir au collège, tout simplement. Donc j'ai pas eu, ouais, j'ai pas vraiment mentalisé cette chose-là. Ça s'est fait naturellement parce que je voyais que tous ces râteliers à vélo, ils étaient pleins à craquer. Et pourquoi pas faire comme les autres? Et effectivement, c'était Ouais. tellement plus pratique et tellement plus rapide, quoi. Et donc t'as toujours eu cette pratique vélo au quotidien? Parce qu'en fait, souvent, les gens, enfin, on apprend à faire du vélo gamin, on en fait peut-être voilà, pour aller au collège parce que c'est dans le village d'à côté, ou enfin, ça Ouais. dépend si on est urbain ou pas, enfin, si on habite en ville ou pas, parce qu'on peut être très bien, bien urbain en habitant à la campagne aussi. Bref, mais du coup, et souvent on perd, en fait, à partir du moment où on va au lycée ou faire des études, où on bouge, etc., on perd cette habitude, en fait, de faire les choses à vélo. Et on s'y remet plus tard. Ça m'est Je pense arrivé. qu'il y a beaucoup de gens comme ça à qui il y a une grosse phase avec les études, etc., après la reprise du taf, Bah, pendant peut-être 10 ans, on ne fait pas de vélo. c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire D'accord. que au milieu des années 90, je suis monté à Paris pour faire mes études. Et j'ai pas du tout eu ce réflexe de monter mon vélo. Mais c'était, à la limite, c'était presque quelque part un interdit inconscient dans ma tête. Ouais.
Après, il y a peut-être beaucoup de nouveautés d'un coup, tu vois, un nouvel environnement, donc tu te dis, bah, à Paris, c'est le métro, je fais comme tout le monde, et tu penses même pas, Mais finalement, complètement, voilà, c'est ce qui s'est au passé. vélo, Voilà, quoi. j'étais dans ma petite chambre de bonne de 4 mètres carrés, là, et puis c'était métro-boulot, enfin, métro-école-dodo, voilà. Et en fait, c'est complètement bête parce que finalement, la rentabilité du déplacement à vélo dans la ville où j'étais par rapport à la marche à pied, la ville où j'ai grandi pour aller au collège et au lycée, évidemment, elle était meilleure, mais elle était absolument décuplée à Paris. À Paris, tu vois, j'avais ma piole de bonne du côté de Port-Royal, dans le 6e arrondissement, et il fallait que j'aille à Issy-les-Moulineaux, à mon école. C'était un peu une tannée, quoi. C'était des RER, métro, plus bus, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Et je mettais plus d'une heure porte à porte pour faire finalement 7 km. 7 km, toi-même, tu sais, c'est Mais oui, 20-25 c'est... minutes, quoi, Ouais, bah oui, à et ça, vélo. j'ai jamais venu à l'esprit, quoi. C'est ça qui est dingue. Non, Mais je l'ai après, c'était pas dans la culture non Non, plus parce que parisienne. à ce moment-là, je n'avais peut-être pas formalisé dans ma tête cet amour inconditionnel de ce moyen de transport. C'est-à-dire que je le faisais juste par pragmatisme, comme tout un chacun, et je n'avais pas vraiment réalisé. C'est plus tard que j'ai pris une claque, parce que voilà, à la fin des années 90, j'ai commencé à bosser à Paris. Et puis là, il y a eu les grandes grèves en 99, où je commençais à bosser. Et là, ça, forcément, j'avais pas le choix. C'était soit y aller en roller, soit y aller à vélo. Et là, j'ai réalisé que même en roller, j'allais plus vite que dans les transports en commun, qu'il n'y avait plus, parce que c'était la grève totale. Tout était paralysé. Et puis le vélo, Royal au bar, quoi. Beaucoup plus confort. Et puis dans une légalité un peu plus grande, parce que à roller, tu as toujours tendance à aller te mettre sur le trottoir et tout ça. Puis finalement, c'est un peu interdit par le code de la route. Enfin, voilà. La problématique des rollers, c'est comme la problématique des trottinettes jusqu'à il y a très peu de temps, quand Elisabeth Borne a fini par légiférer sur l'usage de la trottinette. Mais c'était il y a quelques mois, et jusqu'alors, la trottinette, c'était un. La trottinette, oui, on dit ça, trottinette, ouais. Ouais, La trottinette, 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 trottinette électrique. Jusqu'alors, ça n'existait pas dans le code de la route, cet engin. Oui, c'est un gros fourre-tout, quoi. Les skates, les patins, les rollers, Voilà, les les trottinettes, tout ça, monowheels, c'était dans ouais. un... Voilà, c'est un petit bazar, on n'en parlait pas trop. Et complètement, Les mais. grèves, c'était en 95, il y a un an. Alors, 95 et 99, hein, souvenez-vous. Donc, Oui. du coup, toi, tu t'es mis aussi suite à une crise, finalement. Donc, c'est peut-être, en fait, plein de gens, un peu, il y a peut-être plein de gens qui vont s'y mettre, un peu comme toi, mais en 2020, quoi. Bah, en fait, ça a été le cas cet hiver, justement, ouais, ça fait complètement écho à ce qui s'est passé. Cet hiver Oui, déjà, à oui. Paris, parce qu'à Paris, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont fleuri sur les pistes cyclables, beaucoup de vélos, beaucoup de trottinettes, beaucoup, beaucoup. Et puis là, tout d'un coup, là, j'ai remarqué récemment, dans cette période de confinement, et puis après cette semaine de déconfinement, que je voyais beaucoup, beaucoup moins de trottinettes que précédemment. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ah. Je ne sais pas l'expliquer. Peut-être parce que trottinette, c'est un mélange transport en commun et c'est un combo, en fait, peut-être. Oui, Je alors sais oui, pas. à l'instar des vélos pliants type Brompton et compagnie, ça permet de faire de la multimodalité. Ouais. Et c'est ça, un truc modalisé, ok. Donc, du coup, tu t'es mis en 99 donc, pour aller à ton taf. Voilà, Et à mais partir... Donc, en fait, toi, tu le faisais comme... avec parcimonie, tu vois. Ça a commencé doucement. Au départ, ça a commencé pendant les grèves. Et puis après, bon, c'était bien pratique aussi le RER. Tu vois, j'allais bosser vers Puteaux. Donc j'habitais à côté de la place de la Nation. Nation La Défense en Donc, fallait que tu RER. traversais, En RER, c'est C'était indirect. 15 minutes quai à quai. Voilà, tu peux pas lutter, même en voiture, même Bah oui. limite en hélicoptère, tu peux pas, quoi. Donc le calcul de temps, parce qu'en fait la base de ma démarche, c'est pas du tout une démarche soucieuse de l'environnement, ou enfin, je suis très content d'aider à faire respirer ma ville, à pas prendre ma bagnole, ou quand je prends mon vélo, je prends ça vraiment comme un bonus extraordinaire. Mais ce n'est pas du tout la base de ma démarche. La base de ma démarche, je pense que c'est la même que tout le monde, c'est d'optimiser, tout
tout simplement L'efficacité, quoi. Mon, ouais. Voilà, c'est ça. Gain de temps. Complètement. Et à l'époque, ouais. Voilà, en habitant près de la Nation et en allant travailler au pied de la Défense à Puteaux, bah, j'avais rien de mieux et de plus rapide et de plus efficace que ce fameux RERA en un quart d'heure, quai à quai. Oui. J'étais à Défense à Grande Arche. Donc, j'y allais mollo, on va dire, sur le vélo. Et tu t'y étais mis quand même, ouais. Et donc, à partir de quel moment tu t'es plus senti vélo taffeur? Et bien, quand j'ai changé de lieu de travail, tout simplement, je me suis Ouais. retrouvé au bas du 15e, du côté de la porte de Versailles. Et puis là, bah, j'ai Mmh. découvert que je n'avais pas du tout un trajet direct, qu'il y avait minimum un changement et que ça me prenait 1 heure porte à porte. Alors Ouais. que mon trajet vélo, suivant les itinéraires que je prenais, il prenait 10 km au plus court, mais le plus court à vélo en ville, c'est vraiment pas l'assurance d'avoir le trajet le plus agréable et le plus protégé. Et en plus, plus court ne veut pas dire plus vite, parce que en fonction des cycles de feu et tout ça, tu as souvent Oui, intérêt à te on rallonger voit que tu de. as souvent la choucoumoune avec les feux, toi, dans tes vidéos. Oui, bah bon. C'est un peu ton truc quand on voit plusieurs alignées. Il y a toujours un commentaire sur les feux, quoi. Oui, bah oui, Genre, parce que merde, bon, je l'ai raté, celui-là. faut préciser que j'ai tendance à les respecter, hein, comme une Oui, espèce oui. de. En vidéo, Voilà. le reste, on ne saura pas. Ah, on saura pas. Non. On ne peut pas savoir. Non, ça m'arrive d'en griller aussi. Pas forcément consciemment, d'ailleurs. Enfin, pas forcément volontairement. Ouais. Voilà. Les quelques feux que je grille, souvent, c'est parce que je vais jouer avec l'orange, quoi. D'ailleurs, quand je joue avec un feu orange, je me prends des shitstorms sur les réseaux sociaux après. Parce que j'ai l'honnêteté de le montrer Le après. dire, Oui, ouais. de le montrer. Voilà. On a tous nos travers, et voilà, mais je ne fais pas partie de ceux qui ont une espèce de religion du grillage de feu, parce que bon, ça renvoie à ce débat. Voilà, le feu rouge, ça a apparu à partir du moment où il a fallu réguler le flux automobile et absolument pas le flux des mobilités douces, tel qu'était le vélo déjà avant l'apparition de l'automobile d'ailleurs. Et donc du coup, alors on revient juste sur l'historique. Donc tu t'es mis finalement plus à un vélo taf régulier. Donc quand tu as changé de travail, c'était en quelle année ça? Là, on a déménagé. Alors, j'ai une phase de transition. Je me suis mis à bosser pas très loin des Champs-Élysées, pas très loin du rond-point des Champs-Élysées. Ok. Et là, j'ai eu un problème au travail, un matin de grève. Je fais un travail qui exige que je sois extrêmement ponctuel, sinon ça fout une zone pas possible. Et D'accord. ce matin-là, il y avait une alerte à la bombe sur le métro, la ligne 1. Voilà, je prenais la ligne 1, c'était pratique aussi. Ça me prenait un quart d'heure de Porte de Vincennes à Champs-Élysées Clémenceau. Sauf que tout était arrêté. Et donc, bah, je suis remonté au plancher des vaches et je suis allé bosser en courant. Et je suis arrivé 10 minutes en retard et j'ai pris un avertissement. Voilà. Ouais, mais t'avais un papier de la SNCF quand même, la Ben oui, mais j'ai RATP. fait, oui, mais j'ai pris. Alors, je suis allé le Ouais. chercher plus tard, effectivement, mais j'ai pris un averto et ça, j'ai eu très mauvaise parce que ça s'est mis sur mon dossier de salarié, tout ça. Donc, Ouais. et là, ça m'a foutu une claque et je me suis remis à faire ce trajet à vélo, pas tout à fait tout le temps, hein, plutôt occasionnellement, mais. L'axe de la rue de Rivoli, en fait, hein, voilà, je dévalais de Ouais. Nation à Bastille, et puis ensuite la rue de Rivoli jusqu'à la Concorde, et puis je remontais jusqu'à Champs-Élysées-Clémenceau. Mais au moins, tu étais indépendant, quoi. S'il Bah, se passait c'est-à-dire quelque que, chose, c'était toi, quoi. Ouais. voilà, c'est la magie du vélo. Alors, à l'époque aussi, ça me prenait plus de temps que le métro, parce que j'avais une liaison directe de métro, voilà, c'était 15 minutes, hein, donc je pouvais pas le battre, en fonction de la circulation, et voilà, et on parle de ça au tout début des années 2000, donc la rue de Rivoli, c'est pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui depuis. Ouais. Un an et demi, mais en termes de cyclabilité, j'entends. Donc, j'étais pas gagnant en termes de temps, mais j'étais gagnant en termes de certitude d'arriver. Voilà, on le dit toujours, mais à vélo, quand tu te déplaces à vélo,
à partir du moment où tu sais quand tu pars, tu sais quand tu vas arriver. Ce qui n'est pas le cas du tout des transports en commun, et ce qui est Ouais. évidemment encore moins le cas En voiture. en voiture. Oui. Oui. Sans animosité par rapport à la voiture. Hein. Mmh. Ça m'est arrivé pendant une dizaine de mois d'aller bosser en voiture, donc de Nation au bas du 15e à la porte de Versailles, parce que j'étais physiquement, j'avais une épaule très fragile qui n'arrêtait pas de se démettre, et donc je redoutais les transports en commun, de me faire bousculer, tout ça, mais ça a Ah oui. été la pire période de ma vie, jusqu'à ce que je me fasse opérer après. Mais ça a été la pire période de ma vie parce que, suivant les matins, je pouvais mettre 45 minutes, ce qui est complètement nul pour 10 km à vol d'oiseau, enfin, même pas à vol d'oiseau, mais 45 minutes, enfin, 10 km en bagnole, c'est absolument abject comme Tu calcul. peux les courir pratiquement si Mais t'es en oui, forme. complètement. En 45 minutes. Certains matins, je mettais 1h30, quoi. Donc, et puis Ouais. le soir, alors le soir, c'était encore pire. Je compte pas le nombre de soirs où j'ai mis plus de 2 heures à faire ces 10 km. Donc là, je pense que c'est le moment où ça m'a vraiment convaincu d'un usage beaucoup plus rigoureux. Voilà. Puis là, on est au début des années 2010, où vraiment là, je suis devenu complètement rigoureux. Voilà, c'est devenu mon. C'est là que tu es devenu vélo-taffeur Voilà. Voilà, revendique. et Que pas tu as eu ton badge. peut-être, ouais, peut-être, oui. Puis c'est l'époque où je me suis connecté au forum Vélotaf aussi, où j'ai appris plein de choses, parce que quand tu Vélotaf tout seul comme ça dans ton coin, comme 90% des gens qui se déplacent à vélo, finalement, t'es pas, tu bénéficies pas de ce phénomène de réseau, d'entraide et de conseils et tout ça. Bah, Vélotaf.com, ça a été le premier portail vraiment qui offrait aux gens de discuter entre eux et tout ça en termes de déplacement à vélo. Et c'est une mine d'informations, ça reste encore aujourd'hui une mine d'informations. C'est le portail Ouais. francophone qui parle des déplacements à vélo le plus gros au monde. Hein, Donc c'est Forum Vélotaf, c'est ouais, ça c'est ça, l'adresse? Forum Vélotaf. Ouais, les gens trouveront. Attends, tu tapes Vélotaf dans Google, ça des Oh, ah trucs, c'est oui, mais ça. complètement. Là, tu vas Ouais. tomber un milliard d'occurrences, parce que c'est vraiment c'est très riche en conseils, en informations sur des problématiques d'itinéraire, des problématiques d'équipement, des problématiques légales. Tiens, je veux mettre une lampe qui clignote à l'arrière, est-ce que j'ai le droit? Oui, non. Devant, est-ce que j'ai le droit? Oui, non. Voilà, la couleur des catadioptres, tout ça. Enfin, tout le monde se pose plein de questions. Et puis, Ouais. ce qui est vachement bien sur ce forum, c'est que ça ouvre aussi sur l'évasion à vélo et sur la longue distance aussi. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ça. C'est cette espèce de consanguinité ignorée entre le fait de se déplacer à vélo quotidiennement et du coup le fait de pouvoir tailler la route le week-end. Il y a tellement Ouais. de gens qui ignorent qu'ils se font des jambes et une condition géniale à se déplacer quotidiennement à vélo, même si tu as 2 fois 5 km. Mais du lundi au vendredi, bah, le samedi, tu peux partir tailler la route et aller taper un 100 km, parce que c'est possible, tu es tous les jours en selle, quoi. Tu es tous les jours en Oui, il y selle. a plein de gens qui ignorent leur potentiel cycliste, on va dire. Complètement, Ouais, complètement. ouais. Et ça, c'est vraiment un de mes chevaux de bataille à ce sujet. Ouais. Parce Et que. du coup, donc il y avait le forum Vélotaf et Twitter, c'est arrivé à quel moment, je sais plus, quand on Oh, était sur quand le Twitter tard. est né. Oh, Et c'est toi qui t'es mis sur le tard c'est moi, ouais, c'est moi. C'est moi. quand t'es arrivé, il y avait déjà cette vélosphère. C'était plus ou moins au même moment que le terme vélosphère est arrivé ou pas? Exactement, exactement. Moi, je suis arrivé, j'étais totalement inconnu sur Twitter, et ça faisait genre peut-être 5 6 ans que j'avais créé mon profil, mais j'étais pato, je comprenais pas comment ça fonctionnait Twitter. Ah, Ah, merci. ah non, mais Je c'est incroyable, c'est une espèce de ne secte complètement, et ça met vachement de temps comprends à apprivoiser. Donc du coup, pas j'avais pas de temps à perdre, et donc je n'y allais pas, je n'y allais pas. J'ai comment créé ma petite page Facebook, ça je vais travailler à vélo by Bilouk. ça doit dater de, je vais pas dire une bêtise, mais peut-être 2013, un truc comme ça. Et pourquoi t'as créé une page? Ben parce que je voulais rester anonyme, tout simplement. Ok, Voilà. mais pour pouvoir quand même échanger plus directement avec les gens du forum Vélotaf, etc. Enfin, Oui, c'est est-ce la ça. page c'était pour créer une communauté autour de la page ou est-ce que c'est C'était ou pour, je sais en pas. fait, à la base, c'était pas by Bilouk, c'était je vais travailler à vélo. Donc j'ai D'accord. créé une page, mais j'aurais dû créer un groupe, en fait.
Parce que. Ouais, mais bon, à l'époque, on ne savait pas. Oui, puis il n'y avait aucune idée de me mettre en scène et que ça tourne autour de moi. Absolument pas. C'était, je vais travailler à vélo. Donc, toi, Céline, tu pouvais y aller parce que tu adhérais au fait que tu allais travailler à vélo. Voilà, c'était ça D'accord. le postulat de départ. Et parallèlement, j'ai créé ma petite chaîne YouTube. Oui, c'est ça. Donc, c'était au même moment, alors. Exactement, exactement. Parce que là, tout d'un coup, pouf, on entrait dans la puissance des réseaux sociaux et que ma nana m'a offert une petite caméra à poser sur mon vélo et tout d'un coup, pouf, là, je pouvais filmer mes trajets et partager des idées d'itinéraire avec des copains du forum Vélotaf, justement. Ouais. Parce que du coup, ça faisait du concret d'avoir une vidéo, parce que le forum, c'était que de l'échange bah, textuel, Oui, alors que complètement. du coup, la vidéo, ça faisait un support de discussion, quoi, c'est ça? Exactement. Oui, c'est tout bête, hein. Je crois que la première vidéo que j'avais publiée et qui est devenue privée maintenant, c'était pour expliquer à quelqu'un du forum que tel accès sur les berges rive gauche à Paris pour sortir, pour aller vers le port, j'appelle ça le port Franprix, c'est là où il y a les bateaux qui viennent charger les conteneurs pour livrer tous les magasins Franprix de Paris. Parce que Ouais. c'est une enseigne de petits supermarchés qui met un point d'honneur à ne pas se faire livrer ses magasins parisiens par le réseau routier, mais uniquement par voie fluviale. Et D'accord. après, effectivement, une fois arrivé au port Franprix, il y a des camionnettes et des poids lourds légers, on va dire, maximum 12 tonnes, qui viennent charger les camions pour faire un trajet. Bon, bref, voilà, c'était parti de cette idée. Oui, C'était le développeur commercial de chez Franprix, merci beaucoup. Oui. On n'en voit plus trop Responsable d'ailleurs. responsable du pôle Communication, verdure. Qu'est-ce que je raconte du pôle développement durable ouais. de chez Franprix? Le pôle verdure. Bref, revenons à nos moutons. Oui. Revenons à nos mignons. Ouais. Du coup, ouais, c'était pour montrer donc un accès à quelqu'un qui était sur le forum. Exactement, à la base, j'ai créé la chaîne pour ça, pour lui montrer quelque chose. D'accord. Voilà. Et puis après, je filmais pas du tout mon quotidien à vélo, mais au tout départ, mais mes balades, en fait. Je filmais quand il y avait une belle lumière et tout ça, puis je ramenais ça à la maison. Et puis je me disais, tiens, je vais faire un petit montage sur fond musical, 4-5 minutes, pour condenser ma balade. Et puis ça avait plus vocation à ce que je montre ça à ma famille, à mes amis, point à la ligne, quoi. Et là, j'ai réalisé que finalement, les cartes mémoire, les disques durs, ça se remplit. C'est pas comme les cassettes vidéo que si tu veux archiver, ça te coûte très très cher en cassette vidéo. Et donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais filmer mes trajets quotidiens. Et puis, sans vouloir partager à la base d'ailleurs, je vais les filmer. Et puis, je verrai bien, voilà, les itinéraires, ceci, cela. Et puis, au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec un disque dur qui était plein, plein à craquer. Donc Ouais. il fallait que je fasse du ménage. Fallait mettre sur le cloud. Ouais, enfin, fallait que voilà, je choisisse. Alors je visionnais en accéléré les images. Et puis quand il y a quelque chose que je retenais, la base de ma démarche était de dire, bah tiens, là c'est vachement beau, il y a une super lumière, la route est super belle. Ok, je mets dans le dossier joli joli. Et puis au milieu de tout ça, il y avait des moments effectivement où il y avait on va dire des mises en danger, hein, qui m'arrivaient sur la route. Donc ça, je mettais dans le dossier, c'est pas bien. Et puis au final, quand j'ai tout fait le ménage et que j'ai isolé juste les séquences que je voulais, j'ai pu effacer et refaire de la place sur mon disque dur. J'ai fait un petit film, lol, à l'échelle de Pilouki, c'est-à-dire c'est très long. Ça fait une quinzaine de minutes où j'ai mis cul à cul toutes les crasses qui m'étaient arrivées sur la route. Toutes les mises en D'accord. danger. Le best of quoi, Ouais, enfin. et le worst of. Ouais. Puis alors, je te dis ça, à l'époque, je sais pas, 40 abonnés, tu vois. Mais c'était juste pour l'archiver quelque part et dire, voilà, tiens, en 3 mois, là, j'ai rempli mon disque dur, j'ai retenu ça de pas bien, pouf, j'ai tout mis cul à N'empêche, cul. c'est une mine d'informations, le pas bien là pour les gens qui veulent améliorer, enfin voilà, qui peuvent améliorer l'urbanisme en fait. Complètement, et puis Mais ouais. améliorer aussi ta manière de rouler. C'est-à-dire que ça a été une grosse psychanalyse pour moi d'analyser mes propres images. C'est-à-dire que je me suis retrouvé face. Tu sais très bien comment ça se passe quand tu roules en ville avec enthousiasme et tout ça.
T'es bien, t'es frais, t'as des jambes, t'as la patate. Et puis il y a un peu cet effet, un peu comme si t'étais sur une moto ou un scooter, tu vois. À un moment, tu sens que t'es en forme, que t'as de la puissance, et puis tu vas t'affranchir de plein de choses, tant au plan du code de la route qu'au plan de ta propre sécurité, finalement. Typiquement, en fait, j'ai été affolé quand j'ai regardé mes propres images à moi. J'ai été affolé du nombre de fois que j'étais capable de remonter un poids lourd par la droite. Ah oui, Toi. mais en plus, mais quand tu regardes une vidéo de gens qui font du vélo, vu que tu maîtrises pas, mais même moi, regarder tes vidéos, parfois, en fait, ça me fait bizarre quand tu passes et des poteaux, tu dis, mais attends, il était vachement près des gens ou des poteaux, ou Mais oui. c'est pas la même sensation quand tu maîtrises pas aussi, donc il y a aussi ce recul à Et prendre. Ou quand t'as des mecs qui font du macaframa, tu sais, qui descendent les trucs en pignon fixe à San Francisco, ou qui font des allées 4 dans New York, que genre, ouais, là c'est j'aime autre bien chose, là, regarder ça, carrément. mais 5 minutes après, je suis Et mal, on tu est. vois, mais. Bon, on n'est pas, c'est pas aussi flippant, c'est très simple quand on regarde tes vidéos, mais je trouve qu'il y a quand même le fait, moi, d'avoir roulé à Paris et de devoir toi rouler, je vois en fait ce que c'est. Et même en voyant tes vidéos, il y a quand même ce côté où, ouais, vu que tu roules, vu que c'est pas toi qui as le guidon et t'as pas les mêmes distances non plus, enfin la vidéo, tu vois pas tout, t'entends pas, parce que des fois on te voit passer, tu dis, mais attends, ça se trouve, on sait pas si tu regardes à gauche ou à Eh droite, oui, tu bien vois. sûr. Donc Oui, il y a plein d'éléments comme ça qui nous arrivent pas, nous, au ouais. Eh cerveau oui, parce que de visionneurs. c'est complètement subjectif. Ouais. Oui, Je t'entendais donc parler de ouais. quand tu roulais à Paris, madame, monsieur. Tu n'en parles pas beaucoup. Hein. Mais alors, De quoi? Céline, c'était quand même la papesse du vélo à Paris. Hein. Non, mais attends, Papesse, voilà. non, j'étais la, non, j'étais la maman, La maman, j'étais oui, la c'était maman du maman. RDM, Mais c'est oui, pas ah là, la papesse c'était du vélo génial. quand même. Hein, pour celles et ceux qui ne savent pas, le RDM, le ride du mercredi à Paris, ça faisait partie des toutes premières communautés rattachées aux réseaux sociaux, une page Facebook suivie par des milliers de personnes. Non, mais c'est T'exagères un vrai, petit c'est peu. vrai, c'est vrai. De même que le PCR, d'ailleurs, hein, le Paris Chill Bah Racing. oui, le PCR beaucoup plus encore. Et le RDM, qu'est-ce que ça me faisait du bien, qu'est-ce que ça m'a, enfin, qu'est-ce que tu nous as donné de la joie autour du vélo, mais oui, ah, c'est plus une fête, mais carrément, c'était ce super esprit que j'adore et qui m'a tellement séduit sur ce côté communautaire avec le sourire, la banane, on se prend pas au sérieux, on se fait plaisir, on va rouler tous les mercredis soirs un parcours un peu déglingo et puis et il y a des gars, il y a des nanas et tout ça et puis c'était animé par une nana et moi je trouve que c'est vachement important parce Ça change que tout quand c'est une nana mais non ou c'est mané. alors c'est pas une question sexiste, c'est une question qui Ah me non, bien sûr. c'est quelque chose qui me taraude beaucoup, c'est que la représentativité des femmes cyclistes sur les réseaux sociaux est beaucoup moindre que celle des hommes, alors qu'elle n'est pas si moindre que ça dans la réalité. C'est-à-dire que C'est vrai. concrètement, quand tu auras. Alors après, il ne faut pas se mentir, quand tu auras 1% de mecs qui va partager des choses sur le vélo urbain, tu auras 0,1% de nanas qui vont partager ça, et bon, avec toutes les problématiques que ça engendre, parce que peut-être qu'elles n'ont pas le temps, peut-être que voilà, il y a trop de charge mentale à la maison et tout ça, évidemment. Mais le résultat, c'est ça. C'est une sous-représentativité de la communauté féminine à vélo. Pour exemple, ma douce et tendre épouse, jamais elle publie quoi que ce soit sur le vélo. Très peu. Alors qu'en plus, une professionnelle de la profession, en plus. Oui, en plus, Donc oui. c'est dommage, c'est dommage. Mais à propos de ces Ouais, mais on peut déplacements, pas, ouais, on peut pas tout faire. Mais après, il y a quand même des groupes de filles qui roulent, qui se sont ouais, les créés. Go, Les ouais. go, quand même, Anciennement, enfin, ça a quand même changé, les quoi. premières, bah, c'était mince, comment ça s'appelait? Justement, Bilouquette, elle avait roulé avec elle. Ah là 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 là. Les PB Women, c'est qui? Oui, c'est C'est pas ça, ça. ouais. Mais je crois qu'elles existent encore, non? Ou pas? Je Oui, sais c'était plus. les pionnières Il en me la semble, matière. ouais. Ouais, c'était les Ouais. pionnières. Et à Mais là, en organiser. fait, ouais, c'était le côté urbain, ride en soirée, etc. Mais c'est vrai que la communauté nana qui vélo-taf, en fait, moi, j'ai jamais parlé de mes vélo-taf. Mais j'étais dans le RDM, bah, parce que, en fait,
J'étais graphiste, en fait, à la base, c'est pour ça que Ouais, je me suis retrouvée à gérer le truc. Parce qu'en tant que graphiste, on m'a dit, oh, t'aurais pas le temps pour faire un peu un logo. ah Je me suis oui. retrouvée à faire la cover Facebook, Ouais, puis ouais. ci, puis ça. Et puis, ben, au début, j'ai fait mon premier ride, j'avais fait 20 bornes sur un vélo qui n'était pas à moi, qui était beaucoup trop petit. Mais j'étais tellement fière Ouais, bah et d'avoir suivi oui, les mais mecs. Bon, après, ça se trouve, complètement, ils ont roulé mais deux ouais. fois moins vite. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et puis, ben, je me suis retrouvée, en fait, à gérer. Parce que, bon, j'ai quand même un petit caractère. Voilà. Donc Et du coup, t'es je me arrivé suis dans le retrouvée. RDM, t'es arrivé dans le RDM parce qu'on t'a demandé de faire des logos. Ensuite, tu t'es retrouvé community manager et donc C'est ça. Et maintenant t'as, mappeuse à la fin. Et maman. voilà, et maintenant Je dis tu. maman parce qu'en fait, et voilà, j'avais à l'époque 28, 28, 30 ans, ouais. Et bah, il y a des petits jeunes de 18 ans qui arrivaient ou même qui n'avaient même pas 18 ans et on ne les acceptait pas. Ou alors, s'ils n'avaient pas de lumière ou pas de casque, Ouais, moi, je venais, je disais non, 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 tu ne roules pas avec nous. Enfin, voilà, j'étais la méchante maman. d'accord, excellent, excellent. Mais qui poussait les petits poussins parfois, genre allez, on y va, on Ouais, tourne ouais. à gauche, on tourne à droite. Bref, la maman. Mais tu sais que Mais ça faisait bon enfant. ça a tristement périclité depuis que t'es parti, hein. Enfin, bon, tout le monde était triste, hein, mais voilà, hein, tu Bah, je l'observes. sais, je sais. Mais ouais, mais Bah ouais. ouais, mais bon, non, mais après, c'est les gens qui font un groupe, tu vois. Après, je sais. Enfin, les gens qui étaient là au moment où moi j'y étais. Enfin, c'est vrai que Paris, en plus, les gens ne restent pas forcément toute leur vie à Non, Paris, ouais, ils bien bougent sûr, vite. bien sûr. Surtout quand tu as 20 ans, tu es là pour tes études, tu es là pour un moment défini, et puis après tu bouges. Bah, comme moi, finalement, j'ai bougé. Moi, ça m'a brisé le cœur de quitter l'RDM. C'était un des trucs les plus difficiles à quitter à Paris, Oui, quoi. oui, oui, oui. Mais Ah ben ouais. oui, moi j'en ai souffert humainement de ton départ, ouais. Mais Oh! ouais, parce que j'ai, voilà, à ce moment-là, j'étais encore très Facebook, tout ça, j'étais pas sur Ah oui. Twitter et tout, et puis c'était ma bulle d'oxygène, et puis cet esprit délirant, ouais, c'était chouette. C'était chouette, vraiment, j'ai découvert un esprit que je ne connaissais pas. Et en gros, la culture schistole. Alors, les gens, ça ne leur dit rien, la culture Oui, schistole, mais voilà quoi. ça fait pas très vélosphère, Voilà. schistole. C'est pas Non, non, deux non. choses qui vont ensemble. Non, non, mais voilà. Boire au conduire, il faut choisir. Voilà. Oui, bon, Boire après conduire. Voilà, non, C'est ça qu'on c'était choisit. au finish. C'était au Au finish. finish, Voilà. ouais. Mais bon, fallait quand même rentrer chez soi après. Voilà. Oui, c'est ça. Bah, surtout si on habite loin. Oui. Bon, alors, du coup, attends, dans toutes mes questions, là, on a fait toute ta chronologie. Donc, ouais, donc, t'es arrivé sur YouTube. C'est une des premières vidéos qui ont explosé, finalement. C'est les deux que tu m'avais dit, les pas bien et la jolie jolie. Oui, En gros, alors c'était non, deux vidéos différentes et ça a permis alors de. voilà, c'est exactement ce qui m'a agacé, c'est que la jolie jolie, elle marchait pas bien du tout. Alors qu'elle me Ouais. tenait à cœur, tu vois, et là, pas bien Ouais. cacaboudin, elle a 450 000 vues, tu vois. Et Ouais. donc ça, moi, ça me heurte parce que tout d'un coup, j'ai réalisé que j'ai mis 15 minutes de pas bien cacaboudin et que je me retrouvais face à une audience phénoménale par rapport à mon audience personnelle, hein. Ouais. Toutes choses égales. C'était viral, quoi, finalement. Oui. Parce Enfin, que, en fait, tout ce viral, qui est. non, Ben... viral, non, mais il y a des gens qui venaient regarder ça, qui n'étaient pas du tout ni cyclistes ni quoi que ce soit. Et ça venait les renforcer dans leur idée que le vélo en ville, c'est super Ah oui. dangereux, c'est super anxiogène, voilà, et tout ça. Et moi, je fais partie des gens qui disent le vélo, c'est pas dangereux, parce que de dire que c'est dangereux, ça veut dire que tu représentes un danger pour les autres. Quand tu observes les chiffres d'accidentologie, tu te rends compte que des cyclistes, ils tuent pas des automobilistes, ils tuent occasionnellement, mais c'est complètement anecdotique et ça se compte sur les doigts d'un doigt par an, hein, Il c'est tue bien. des pigeons. Voilà. On parle pas des gens. Peut-être. Coucou le PCR, pigeon du Brésil aussi. Mais en fait, non. Mais effectivement, c'est risqué parce que les risques viennent d'ailleurs. Voilà. Ils viennent d'ailleurs. Ils viennent Ouais. du comportement sur la route à 80%, de la manière totalement ubuesque dont sont branlés certains aménagements cyclables. Voilà, je sais pas, genre des pistes sur trottoir avec des potelets partout et puis dans des endroits tellement populaires que forcément tu vas te retrouver avec 1 milliard de piétons sur la piste parce que ça a été mal pensé, parce que ça a été mal pensé. Et puis parce qu'on a préféré piquer de l'espace aux piétons qui sont largement majoritaires à cet endroit-là par rapport à la chaussée ou parce qu'on veut privilégier la fluidité de la chaussée. Parce que je rappelle que, pour parler de Paris, hein, à Paris, 50% des déplacements, ils se font à pied.
Donc, il n'est pas question de piquer de l'espace aux piétons à Paris. Ce n'est pas normal. Surtout quand tu te retrouves... j'ai un exemple à Besançon aussi. On a un trottoir. Ils ont fait une bande cyclable sur trottoir qui est obligatoire. Et la bande cyclable est deux fois plus large que l'espace alloué aux piétons. C'est juste pas normal, quoi. Bon, bref. Oui, ce n'est pas aux piétons qu'il faut enlever le... Mais non. Donc, ouais. Attends, je regarde l'heure. Ça va, il y a encore du temps. Bah tiens, il y a justement des gens qui font coucou. Il y a des gens qui laissent des commentaires, mais en fait, on papote tellement que j'ai même pas le temps de les regarder. Je te laisse gérer ça parce que là, moi, je suis nul. La bonne info pour Franprix. I have in the Bilouk. Je sais pas si c'est une private joke. Ça vient de la cité de la peur. D'accord. Le film de les nuls. Les filles à vélo, c'est tout un pan de culture. Bah, du coup, ouais, c'est les sujets sont en retard. Photo, cinéma, musique, c'est un fantasme très partagé et transgenre. Ok, bon. Arrêtez d'être si mignons tous les deux, je n'arrête pas de sourire. Oh, il est chou. Y a Raphaël qui dit coucou. Bah, tiens, Raphaël, on parlait justement du RDM, car il est un peu trop tard, Fifi. Bon, du coup, donc cette vidéo qui était devenue finalement... j'aimais bien ce que tu disais, en fait. J'avais jamais fait la différence. Dangereux versus risqué. Oui. Le vélo, c'est pas dangereux, mais c'est risqué. Oui. Et je trouve ça super intéressant de mettre ça en... Voilà, c'est pas le même mot. Mais c'est sur vélotaf.com que j'ai appris ça, tu vois. D'accord. C'est mon copain Proculus qui est lyonnais, cycliste, et qui est vraiment accroché férocement à cette différence sémantique, voilà. C'est... Ouais, non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, donc cette, la vidéo, les réactions, ça t'a pas forcément plu, et du coup, t'as... Non, voilà, et donc... Il s'est passé quoi ? Ça m'a gonflé, parce que, Et tu t'es dit, fuck YouTube, je quitte le YouTube game. Non, j'ai dit, fuck, j'ai passé la vidéo en privé pendant genre 3-4 ans, parce que ça me gonflait, et parce que je me suis rendu compte que finalement, j'étais vecteur d'exactement l'inverse de ce que l'inverse, je voulais. Mais voilà. Oui. Voilà. Mais oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais le vilain petit canard. Moi, je voulais partager des choses sympas, pas pour une audience large d'ailleurs. À ce moment-là, j'étais encore dans l'optique de partager ça pour mon réseau. Voilà, mes amis, ma famille, pour leur dire « ouais, c'est chouette et tout, il y a des belles lumières sur Paris, je traverse la... » Attends, je rigole parce que j'écoutais tes lives sur YouTube et c'est vrai que t'es toujours à la bourre dans les commentaires, là, ils se font plaisir. Ah bah oui, mais laisse tomber, alors là, voilà. Je vois que Guillaume Farge est là. Salut Guillaume, j'adore tes stories sur Insta, Guillaume, continue avec ses deux filles. Je kiffe les stories confinement de Guillaume Farge. D'ailleurs, les gens, si vous avez des questions, parce que les commentaires, ça passe et je les rate un peu. Si vous avez des questions, il y a le petit encart en bas, il y a deux petites cartes avec un point d'interrogation. Vous pouvez envoyer vos questions là-dedans et comme ça, du coup, elles restent en mémoire et on ne les oublie pas. Mathieu, il y a Guillaume qui te redit coucou. Ah, cool. Non, ça va, on n'est pas autant en retard que toi sur YouTube, sur le chat. Mais du coup, on n'arrive pas à avancer dans la conversation, je t'ai coupé. Donc, ouais, tu t'es retrouvé à faire exactement ce que tu voulais pas, enfin, à être le vilain petit mignon. D'ailleurs, il faudra que tu nous dises pourquoi le mignon. Mais j'ai trop de questions encore et il ne reste que un quart d'heure, ça va pas. On fera une deuxième heure. Ouais, continue. T'es pas couché. Moi, je fais des lives de 3 heures, alors bon, c'est bon. Hein. Moi, j'ai foi, ça va être compliqué. J'ouvrirai peut-être la fenêtre à un moment. Je suis en mezzanine aujourd'hui, là. Du coup, reprenons. Oui, alors effectivement, ouais, donc ça m'a gonflé. Ce postulat de départ, ça m'a gonflé. Donc, j'ai eu cette idée saugrenue, mais complètement saugrenue et complètement à contre-courant. C'est-à-dire que même quand je partageais des petits films, alors j'ai commencé à faire des petits montages musicaux, tu sais, cut avec des petits bouts de 10 secondes au tempo avec la musique, d'une balade sur les bords de Marne, un Paris au Paris, des choses comme ça. Et les gens me disaient sur Vélotaf, oh, tu sais, 6 minutes, c'est trop long, on décroche au bout de 2 minutes. Bon, bah, j'ai retenu la leçon et je me suis dit, exactement l'inverse, je me suis dit, écoute, si tu as envie de donner envie aux gens de se déplacer à vélo, et là ça a été un espèce de déclic dans ma tête, donc aux alentours de 2017, mi-2017, je me suis dit en fait il faut avoir l'honnêteté de montrer l'intégralité du trajet.
Parce que ton film de 15 minutes où il n'y a que du caca boudin, ça dégoûte les gens. Et en fait, alors chaque jour, il peut m'arriver quelque chose qui est préjudiciable. Si je l'isole et que j'en fais une séquence de 10 secondes, les gens vont dire que c'est 10 secondes. Et je me suis dit, ben non, je vais mon trajet de 40 minutes, je vais le monter intégralement du point de départ au point d'arrivée pour Comme monter. ça, on a toute l'histoire en fait. C'est pas Exactement, juste, exactement. Voilà. c'est pas juste le commentaire haineux dans le truc que tu vas Voilà, sortir et en faire quelque exactement. chose. Donc, C'est bah, ce tout le qui va se contexte, passer de quoi. mal, ça sera noyé dans la masse de ce qui s'est passé de bien, de ce qui s'est bien passé. Ouais. Voilà. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé sur ce format de Daily Ops, en fait. Et je me suis dit un peu plus tard, mais en fait, pourquoi pas. En fait, j'avais envie de mettre des sous-titres, des trucs, des machins, et je me suis dit, oh, c'est trop fastidieux, je vais commenter les images à froid, donc soit 3 heures après le trajet, soit 3 jours, soit 3 semaines, soit 3 mois, mais Ouais. avec ce côté où tu t'es posé, tu as revu tes images, et puis tu vas venir commenter un petit peu ce qui s'est passé sur ton trajet, en tout, avec du calme Et ce qui te permet toi aussi, finalement, ce que tu disais, de faire un peu une psychanalyse, Ah ben complètement, enfin, psychanalyse, complètement. oui, Ouais. l'analyse de Mais tout ça, quoi. cette Même année. pour toi-même, ouais. Et voilà, mais voilà, complètement. Mais c'est encore aujourd'hui une manière d'appréhender et d'analyser ma manière de rouler. Et ça, c'est vraiment le fait de filmer et d'observer mes images qui a foncièrement changé ma manière de circuler en ville. Je dis ça parce que, ouais, au début des années 2000, c'était n'importe nawok, hein. C'était comme quand j'étais au collège, quoi. J'étais sur le trottoir, les feux rouges, ils n'avaient pas de couleur, comme tout le monde. Et puis spécifiquement les gens qui débutent, hein, d'ailleurs. Ouais. Cette semaine, je m'amusais parce que j'ai vu beaucoup de gens. C'est complètement emblématique. J'ai vu beaucoup de gens, tu sais très bien, tu les veux faire 100 mètres, tu sais très bien que c'est des gens qui se sont mis spécifiquement au vélo là maintenant parce qu'ils n'ont Ouais. juste pas envie de prendre le tramway, le bus ou les transports en commun. Et tu vois leur comportement et leur fragilité sur leur vélo. Parce que voilà, on a tous commencé, effectivement. Et puis quand tu récupères un vieux vélo dans la cave, que tu le gonfles vite fait, mal gonflé, la selle trop haute ou la selle trop basse, Et puis t'es pas à l'aise et t'as pas les complètement, réflexes complètement. Et et voilà, ouais. puis tu connais pas l'itinéraire, tu sais pas que la piste, là, elle va partir à gauche. Donc tu continues sur le trottoir, tout ça. Enfin bon, bref. Voilà, j'ai observé ça avec beaucoup de bienveillance parce que il faut pas oublier qu'on a tous commencé. Enfin, moi, j'aime pas quand on bâche les débutants à vélo. C'est pas cool parce que les débutants à vélo, c'est des futurs cyclistes aussi. J'espère. Et puis qu'il faut pas venir les dégoûter et les mettre au banc, là. Voilà. Après, tout le monde. Moi-même, j'ai ma manière de circuler à considérablement évolué, donc je me plais à croire que la manière Et de puis circuler. le fait que ce soit filmé, finalement aussi, tu étais obligé de faire les choses un peu plus dans les règles de l'art, non? Ah oui, Pour complètement. éviter Oui. si les commentaires. Et est-ce que tu t'es rendu compte que finalement, de pas forcément griller ce feu ou de rester sur la piste cyclable au lieu de prendre un autre trajet, etc. Est-ce que tu t'es rendu compte finalement que tu perdais ou gagnais pas de temps ou enfin, est-ce que ça aussi, ça t'a. Mon constat global, c'est qu'en ne grillant pas les feux, je finis toujours par rattraper ceux qui l'ont grillé devant moi. Et pour moi, oui, c'est plus tranquille, c'est plus paisible. Mais après, parce que j'ai vraiment, je pense que ça a vraiment pénétré mon esprit et que. En plus, ce n'est pas du plaisir pour moi de ne pas respecter les feux, de ne pas respecter le code, de ne pas respecter les piétons. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Parce que, effectivement, un cycliste n'a jamais intérêt à se prendre un piéton. Et on en voit tous les jours des cyclistes qui grillent le feu sur les pieds des piétons. Oui, c'est calculé. Oui, ça passe. Ça passe. Ouais, Mais ça passe. ça passe. Oui, ça passe. Ça Ouais. passe toujours. Ça passe toujours. Mais à 99,99999%, ça passe toujours. Mais c'est à 100% du temps mal perçu par le piéton. Mal Oui. perçu et c'est perçu comme une agression. Voilà. C'est-à-dire Et que. les gens qui sont dans les voitures aussi à côté, ils voient ça et ça n'aide pas non plus à l'image Non du plus, non type de plus. cycliste Voilà, cyné. voilà. Mais complètement, il y a une Ouais. espèce de diabolisation. Puis tu le vois sur les réseaux sociaux.
C'est ça. Ouais. Tu publies un film sur le vélo et puis tout le monde déboule en hurlant à la mort. Ouais, les cyclistes, c'est les premiers dangers dans la ville et tout ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mmh. On a l'accidentologie rapportée aux piétons qui est la plus faible de tous les utilisateurs. Non, c'est pas vrai. Mais les idées reçues ont la vie dure. C'est très tenace comme image. Donc, moi, je m'efforce de. Voilà. Et puis, donc, qu'est-ce que ça me coûte de laisser passer les piétons paisiblement traversés si je dois passer, quand il y a des piétons engagés, je vais passer derrière eux plutôt que devant eux, parce que devant eux, c'est vraiment perçu comme une agression. Mais, bien sûr, ouais. Mais tu t'en rends compte toi-même quand tu es piétonne, en fait, finalement. Et ça nous arrive à tous d'être piétons et puis qu'il y ait un véhicule, n'importe lequel, un vélo, un scooter, une trottinette, un monowheel, une voiture, qui nous passe devant. Ça passait, oui, ça passait, mais c'est perçu comme une agression. Bien sûr, ouais. Il y a... Ouh là là, dis donc. Ouais, j'ai un petit retour de tout, là. Ouais. Ah oui, c'est ça. Faut que tu nous dises aussi, voilà, j'ai trop de questions encore, mais il y a aussi des questions dans les trucs. On est les premières années quand les personnes autorisées nous disent ça passe. Ouais, bah ouais, mais en fait, ouais, c'est la peur sur le coup. Il y a Guillaume qui demande, est-ce que je peux te parler de On Roule Paris ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, On Roule Paris, excellent. Bah alors Guillaume, tu n'as jamais utilisé les images, hein. Oui, il dit, j'ai pas eu le temps de finir le montage. Bah, disons, il serait temps, c'était il y a 3 ans. Ah oui, bah, le confinement, merde, c'est fini. Non. T'as eu le temps, là, le confinement. elle était vachement sombre, la vidéo que je t'avais filmée, Guillaume. Ouais, elle était vachement sombre. Je sais pas si tu peux en exploiter quelque chose. Alors, On Roule Paris, c'était quoi ? C'était un truc qui est sorti pas du tout par des associations ou quoi que ce soit. Alors, faut s'imaginer l'hiver, il y a 3 ans, c'est ça. Ouais. Tout d'un coup, les berges de Seine rive droite, donc qui avaient été fermées aux voitures 1 an auparavant, étaient menacées par un amendement ou je ne sais plus quoi. Enfin, je n'ai plus la nomenclature exacte. Et donc, des cyclistes se sont mobilisés, notamment à l'instar de Guillaume et consorts, pour tout leur mouvement hyper sympa de cyclistes. Mais ce n'était pas du tout à l'origine par des associations, ni par la mairie, ni par. C'était pas. En fait, en gros, ce n'était pas politisé comme mouvement. Mais c'était en mode électron libre, quoi. Mais on s'est retrouvés, on s'est donné rendez-vous, on s'est retrouvés à plusieurs centaines de cyclistes un soir, je ne sais plus, enfin, il faisait nuit, c'était l'hiver. Et puis, on s'est fait toute une balade rive gauche, rive droite, toute une boucle, c'était hyper sympa, c'était démentiel, c'était pour dire. On roule Paris, s'il vous plaît, ne fermez pas les berges rive droite aux cyclistes et aux piétons. Les gens se sont appropriés les berges et c'est hyper important. Et c'était, enfin, voilà, on le voit maintenant, les berges, enfin, pas en temps de confinement, mais les berges parisiennes, maintenant, depuis qu'elles ont été rendues aux Parisiens et aux Parisiennes, ouais. On compte plus de personnes, plus d'êtres humains sur ces berges par jour depuis qu'il n'y a plus de voitures. Que quand il y avait des voitures qui venaient bouchonner là-dessus. Quoi. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les rouler, les berges rive droite, depuis que ça a été ouvert. Je ne sais plus. J'ai roulé sur des berges, hein, ouais. Mais je ne sais plus. Là, de tête, je. Ah, bon, ça y est, c'est Roubaix à fond des ballons, on a oublié Paris. Voilà. Ouais, moi, là, ça y est, c'est le canal de Roubaix. Bon, du coup, alors attends, j'ai encore plein de questions. Bon, je veux savoir pourquoi le mignon. Ah oui, le mignon. Faut que je sache quand même. Ouais, faut que je sache. Pourquoi Bilouk et pourquoi le mignon ? Alors, c'était simplement parce que je voulais pas me mettre en scène. J'ai jamais voulu me mettre en scène. Ça m'intéresse pas. Je suis très amateur. J'ai des copains et copines blogueurs et blogueuses vélo que je suis férocement. Voilà. Je pense à Julien Verlet, je pense à plein de gens qui se mettent en scène et qui nous font rêver avec des randos ultra à distance, avec beaucoup d'entraînement. Là, Julien, c'est Zwift à fond les ballons là, en ce moment. Et moi, je suis très friand de ça. Mais dans ma démarche d'essayer de restituer la positivité du vélo taf quotidien, parce que c'est comme ça que je le vis, c'est-à-dire que moi, je le vis bien, le fait de me déplacer à vélo. Donc, j'ai pas envie d'être dans le négatif et j'ai pas envie de mettre un visage là-dessus parce que à partir du moment où tu mets un visage et un nom, quelque part, tu segmentes un peu et tu fermes.
C'est-à-dire que si quelqu'un te regarde, je sais pas, quelqu'un va regarder Julien Verlet, Croam sur Instagram, ouais. va le regarder et vont dire, ah putain, ce mec, il a les jambons les plus gros de la vélosphère, hein. Il a des jambes de titan et tout ça, jamais, c'est pas à ma portée. C'est pas à ma portée, c'est pas possible. Tu complexes sur tes cuisseaux, Milouk. Ah, par rapport à Julien, mais oui, attends, t'as déjà touché les machins ? Ah non, attends. Bah non. Moi, chaque fois que je le vois, je lui tâte le jambon, hein, mais. Ah non, c'est incroyable. Je peux avoir un bout en chiffonade. Mais non, mais c'est un mec voilà, qui a fait Paris-Brest-Paris, les bandes Touraille et compagnie. Enfin voilà, on joue pas dans la même cour. Effectivement, complètement. Voilà, ça fait partie de mes idoles. Hein. C'est un mec que. Enfin, de la même manière, enfin, je sais. Bah, voilà, quand t'avais Stéphane. Kiwi, ouais. Il y a quelques semaines, c'est pareil, ça fait partie des mecs que j'adore, que je suis opiniâtrement et tout ça, mais je m'y reconnais pas parce que moi j'ai pas cette oui. capacité. Là c'est pas des gens qui font de la longue distance, c'est des gens qui font de l'ultra, hein. Et il y a une oui, grosse différence. Ça, voilà, ouais. Il y a une grosse différence entre te faire un 300 dans la journée et te faire un 5000 en une semaine, quoi. Voilà. Oui. Il veut pas, tu veux pas avoir des autographes à signer sur Paris dès que quelqu'un te reconnaît. Bah oui, c'est ça aussi. Non, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas une coquetterie ou quoi que ce soit ou un truc de diva. C'est vraiment parce que ce petit mignon, c'est tout mignon et en fait tout le monde s'y retrouve. Mais c'est par hasard. Hein. J'ai cherché un avatar et j'ai cherché un nom et voilà, et c'est tombé comme ça, mais ça aurait pu tomber sur, je sais pas, un bonhomme Lego ou n'importe quoi. Mais ce que je voulais, c'est que ça dégage quelque chose de positif parce que ma démarche, enfin ma manière de me déplacer à vélo, je trouve ça tellement positif, tellement gagnant. Et en plus, le fait qu'il ait qu'un seul œil, comme ça fait un peu comme ta GoPro, quoi, aussi. Oui, tu vois, mais ça, c'est des choses qui n'ont pas du tout été préméditées, parce que, bon, j'ai pas du tout d'expérience en termes de réseaux sociaux et tout ça. D'ailleurs, je m'y prends mal. Enfin, tout le monde se fout de ma gueule quand je fais des lives parce que je suis toujours à la bourre, parce qu'il y a toujours un truc qui marche mais pas. Mais tu peux pas parler et lire en même temps les questions répondre. Tu sais, moi, je les vois passer. Les gens savent pas ça. Je vais pas te dire, attends, bah oui, c'est dans le flow. Mais purée. Il y a quelqu'un qui dit, tâte-moi le jambon, ça ferait une nouvelle gapette. Ouais, tu vois, faut attendre d'avoir un peu de temps pour le placer. Quoi. Mais oui, carrément, tâte-moi le jambon. Excellent, mais oui. Ça m'a fait marrer, ça. Bon, alors dis-nous, Vera, moi j'avais un truc à te dire, parce que tu as annoncé le truc en disant... Ça va couper. C'est vrai ? C'est nul ? Non, bah, il va rester sur ma montre, là, il reste 2-3 minutes, mais je relancerai un live et tu reviendras bah oui, hein. Question, je crois. Bon, parce que tu m'as présenté là sur le king du vélo taf. Ouais. Mais je m'insurge totalement. Je m'insurge. Oh, c'était de la fausse publicité mensongère, tu vois. Ben oui, non parce que voilà, moi j'ai plein de copains qui font genre 20 bandes de plus que moi par jour. Moi j'ai 2 fois 16, 2 fois 15, 2 fois 17, ça dépend des itinéraires. Mais c'est pas la taille du jambon qui compte. Donc... Tu sais, c'est pas grave. Non, mais pas, non, parce qu'en fait, quand on parle vélo taf, en fait, c'est une des premières personnes qu'on va mentionner. Ouais, mais là, dans la vélosphère. J'ai un gros syndrome, donc, un gros syndrome de l'imposteur là-dessus. Voilà. Oh là là, mais non, mais complètement. voilà, non, mais si, complètement. Et puis, ouais, ça me gêne. Si t'étais un imposteur, ça ferait pas 4 ans que tu serais là à faire des vidéos, avoir une telle communauté, etc. Enfin, non, mais elle n'est pas si grande, cette communauté. Enfin, faut pas. Voilà, tu vois, j'ai quoi. Mais c'est toujours pas la taille qui compte, hein. C'est la qualité. Mais par contre, cette communauté est vachement sympa. Et puis, mais c'est pas ma communauté, c'est une communauté dont on fait tous partie, finalement. Enfin, tu sais, je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais cycle. Enfin, je veux dire, si je devais résumer ma vie de cycliste aujourd'hui avec toi, je dirais que d'abord c'est des rencontres. La tienne, par exemple, hein, j'étais tellement enchanté de te rencontrer. Des gens qui m'ont tendu la main, prêté une rustine, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul sur la route. Et ça, c'est curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée, tu vois, en selle. Parce que quand on a le goût de la chose, c'est-à-dire le vélo, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais que c'est un peu un miroir qui t'aide à avancer, un peu comme ce petit rétroviseur là que j'ai installé au bas de mon cintre, à gauche sur mon croix de fer. Alors, c'est pas mon cas, et comme je disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, enfin, et d'ailleurs je dis,
Je dis merci la vie, je dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité cycliste? Eh bien, je réponds très simplement, je leur dis que c'est le goût de l'amour du vélo, ce goût qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre cette tribulation mécanique. Hein. Mais demain, qui sait, peut-être remettre au service de la communauté dans les commentaires, quoi. Et à faire le don de soi, le don de moi. C'est bon là. C'est bon, j'ai fini. Oui, j'ai repompé le monologue d'Edouard Baird. Oui. Attends, Edouard sort de ce corps. Ouais. Donc par contre, il reste une minute, donc on va. Ça va couper, chérie. Ce live et je vais reprendre. On va recommencer parce que moi j'ai encore plein de questions, je crois. Confinement, déconfinement, il y a encore plein de choses à dire. Donc on va pour tous les gens qui nous regardent. Donc je vais arrêter ce live et je vais en recommencer. Hein. Et puis si vous voulez continuer à écouter la conversation et à regarder ces épileptiques clignotements de. Le pilote de chez Bilouk. Rejoignez-nous. Entre-temps, on a le droit au fait que tu sois un génie et un king, Bilouk, tu vois. Mais C'est ça que les lives de Bilouk sur YouTube sont assez longs. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je lui demande aussi comment il en est arrivé à ça. Hop, encore plein de questions. Alors, est-ce que je vais pouvoir le rajouter ? Bilou, qu'est-ce que tu es là ? Ah oui. Rapide, hein, le petit pipi, là. Pardon. Alors, hop. J'ai même eu le temps de me laver les mains. Waouh ! Bah oui, geste barrière, tout ça. Bah non, mais après le pipi, enfin la base, quoi, non ? Bah oui, là-bas, bien sûr. Moi, j'ai pas eu le temps, je suis en mezzanine, tu vois, j'ai pas eu le temps. Zut alors. Mais je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, ma petite tisane, elle va dire qu'on arrête le live. Oui. Moi, des fois, je fais des pauses comme ça dans mes lives. Alors, tu me demandais comment j'en suis venue au live. Alors. Oui, entre autres. Oui, c'est vrai que du coup, j'oublie que tu m'entends avant que je t'invite. Je t'ai spoilé. Oui, donc du coup, comment t'en es arrivé ? Parce que du coup, donc, tu fais des vidéos sur YouTube donc, depuis quelques années. Et là, t'as fait des lives confinement. Alors, c'est ça ou t'en faisais avant déjà ? Non, oui, j'en faisais. En fait, j'ai eu un accident de la vie, hein, on appelle ça. Je me suis pété la gueule dans mes escaliers, mais violent. Et donc, j'ai été... T'étais sur un vélo ? Non, non. Ah. Non, non. Et du coup, je me suis retrouvé dans une position... Escalier dangereux ou risqué ? Ah bah, alors là, dangereux. Hein. Pardon, dangereux. C'est vrai. Escalier enfoiré. Pardon. Ah oui, complètement. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé dans une position où c'était un moment où, justement, il se passait beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube et où tout un vivier de communauté était vraiment très... sympa et plein de bons commentaires, plein de bonnes vibes et ça plaisait vraiment, ça leur plaisait vraiment beaucoup ce que je leur partageais. À tel point d'ailleurs que j'ai eu une panne d'ordinateur et que c'est eux-mêmes qui m'ont proposé de faire une cagnotte pour me repayer un ordi. Ouais. Tu connais cette histoire, c'est l'origine des casquettes bisous, voilà. Je dis pour celles et ceux qui ne savent pas ici dans ta communauté, parce que tu as quand même une communauté Instagram faramineuse par rapport à la mienne. Tant mieux pour toi. Oui. Mais bon, je ne suis pas du tout actif sur Instagram, je suis nul sur Insta. Donc, ouais, mais tu vois, moi je suis nul sur Twitter, chacun son truc. Ah hein. Voilà, exactement. Il n'y aurait pas de place pour nous deux, pour toi et moi, il n'y aurait pas de place sur Instagram. Mais non, justement, il y a de la place pour tout le monde. Mais c'est juste que je n'y consacre pas assez de temps. Bon bref, tout d'un coup, pouf, tout s'est arrêté pour moi, mes publications et tout ça. Et j'étais là avec mon bras en écharpe, tout con. D'abord, il me manquait mon vélo quotidien, j'étais en bad total, hein, parce que... Quand tu fais 35 km par jour et puis tout d'un coup plus rien, et
très très vite, il faut pas. La petite dose d'endorphine. Et voilà, vraiment, c'est ça. Quoi. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre plusieurs semaines. Hein. Je veux dire, au bout de 10 jours, t'en peux plus, quoi. Et en plus, je pouvais plus partager mes trajets quotidiens en daily ops. Donc, j'ai trouvé cette espèce de parade. Hein. Alors, je m'y suis pris comme un manche au début. C'était n'importe quoi. Les gens m'entendaient pas, tout ça. Enfin, je faisais les tests, les tests et les branchements en direct. Enfin, c'était. Et puis, très vite, c'est devenu un rendez-vous hyper sympa, mais hyper sympa parce que à partir du moment où j'ai compris comment me débrouiller pour que ça soit participatif, un peu comme tu fais là, tu vois, ouais, avec moi. Mais là, tout d'un coup, pouf, j'ouvrais les canaux de qui voulait participer, alors via une application tierce qui s'appelle Discord. Mais tout d'un coup, ouais, pouf, on pouvait causer ensemble. Parce que, encore une fois, c'est la base de ma démarche, c'est de ne pas me mettre en scène moi, mais de partager. Et là, tout d'un coup, c'est devenu communautaire. C'est-à-dire que tout le monde était là, tout le monde partageait, notamment communauté belge, hyper active. Oh, oui, les Belges, ils sont bien présents. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts. Mais, ouais, mais ça... Il y a Laurent qui dit à mourir de lire le premier live, il est encore dispo ou pas? Ah oui, j'ai tout... c'est dramatique, n'allez pas là-bas. Parce que les premiers... Parce que moi, j'ai écouté les 3 du confinement ou 2, je sais plus. Quoi. J'en ai écouté de confinement. En fait, c'est bien, pendant qu'on bosse, tu laisses ça en fond et puis... Il n'y a pas d'image, quoi. C'est figé. Oui, donc en fait, c'est comme une émission de radio, quoi, en fait. Et du coup, tu écoutes ça. Et... Oui, alors que toute la période où j'étais justement l'année dernière confiné à la maison parce que j'étais... pas capable d'utiliser mon bras gauche. Du coup, là, ce que je faisais, c'était une revue de presse audio-vidéo de tout ce que partageaient les cyclistes vidéastes auxquels j'étais abonné sur YouTube. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais que ça à faire, hein, dans la semaine, de regarder des vidéos de vélo. Et puis après, je présentais une espèce de revue de presse où je partageais et puis où on réagissait tous aux images qu'on voyait en direct de tel ou tel cycliste à Lille, en roue libre, à Bruxelles, Katia, la nomade sédentaire, ou alors un boulot dans la ville, voilà, ou Siam à vélo à Clermont-Ferrand, big fan, pas loin de chez moi, Jeannot le cyclo, voilà, et des gens qui se sont mis aussi à partager beaucoup de choses sur le vélo, beaucoup dans le même format de Daily Ops, c'est-à-dire je filme mon trajet, et puis après je viens te raconter ça à tête reposée, à froid, et je viens te parler dans le micro pendant que tu vois les images de mon trajet. Et, Donc en fait, tu as inspiré d'autres gens à faire pareil autour de chez eux. Ah putain, c'est une méga fierté. Ouais, complètement. Et surtout que c'est que c'est pas que dans la région parisienne, parce que c'est vrai que c'est toujours Paris. Au moins là, ça fait des pôles. En fait, mais non, tu vois, il y a Philippe Deloger. Philippe Deloger, il nous partage des images de ses trajets à vélo à Nairobi, au Kenya, tu vois. C'est excellent, c'est excellent. Il y en a qui s'y mettent. Je pense que t'es content de rouler à Paris, quoi. Je sais pas. Enfin, j'ai pas vu l'image. Clairement, prend toute sa... Oui, complètement. Oui. Ouais. C'est génial. Alors, en plus, c'est encore plus génial ce qu'il nous partage, Philippe, c'est que lui, quand il arrive à un feu rouge, comme rarement les cyclistes, il s'arrête au feu rouge. Hein, et là, tu vois toutes les bagnoles et les motos et les scooters qui passent au rouge, mais allègrement. mais ça n'arrête pas. C'est-à-dire, c'est pas juste quand le feu vient juste de passer au rouge. Hein. C'est un flot continu. Et puis lui, il est arrêté sagement et il filme ça, quoi. C'est excellent. Là, il y a Siam qui dit « J'ai commencé mes vidéos grâce à toi ». Eh ben voilà, tu vois. Mais oui, Siam. Oh là là, Siam. Mais alors, je ne sais pas si tu es abonné à Céline, mais abonne-toi sur YouTube à Siam. C'est top, top, top qualité, mais c'est incroyable. Elle a une voix absolument envoûtante. Elle met ça en musique et tout avec un... Enfin, ah ouais, c'est... Mais bon, voilà. Je n'arrive pas à la suivre, hein, donc moi, je kiffe. Voilà. Ouais, il y a qui dit en live, il y a de l'international, il y a Bangkok, Amsterdam, Nairobi, Guada. Ouais, la Guada Family en Guadeloupe. Qui nous fait des daily ops depuis la Guadeloupe. C'est excellent. C'est excellent. Et c'est des anciens de mon quartier. Enfin, moi, j'étais dans le bas du 20e, eux, ils étaient dans le 12e. Et puis, ils ont été mutés en Guadeloupe. Et voilà, ils nous partagent des images de là-bas. Alors, c'est pareil, c'est le tiers-monde. Hein. Quand on se plaint d'un nid de poule sur le boulevard de Charonne à Paris, eux, c'est pas des nids de poule, c'est des nids de vache, quoi. C'est incroyable. Ça t'aide beaucoup à relativiser hein, sur ta condition de cyclisme. Bah oui, c'est ça. Bah oui. En banlieue parisienne, totalement. Il y a plein de...
Il y a un truc, hashtag balance tes chouchous. Là, t'es en train de balancer toutes tes. Bah oui, ouais, bah, c'est pour les, pour les gens qui, qui nous regardent, c'est vrai que moi, il y a des gens qui font partie de mes chouchous, nous voilà, en roue libre aussi. Enfin, voilà, oui, oui, complètement, complètement. T'as une. T'as sur ta. Je sais pas, t'as un endroit quelque part, je sais pas, peut-être sur YouTube, dans les. Comment dire? Je vais y arriver. Dans les chaînes que toi, tu suis, est-ce que. Il s'existe ou pas sur YouTube? Et bah, surtout mes V-Live, là, c'est-à-dire les lives YouTube que je fais, oui. Alors, hormis les derniers, parce que j'étais pas très porté sur les. Parce que, comme j'ai repris le boulot, tout ça, j'étais pas très disponible pour tout regarder. Mais tous les V-Live première génération, je veux dire, peut-être à partir du 6 ou du 7 jusqu'au 50, un truc comme ça, je partage toutes les images de. D'autres, de tous les vidéastes que je suis et voilà. D'accord. Et c'est pas forcément la qualité visuelle qui m'attache, c'est surtout aussi le discours, voilà, quand, surtout quand c'est commenté, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Quand c'est parlé, voilà, parce que après on n'a pas tous la chance d'avoir un budget extensible. Enfin, moi j'ai un gros budget vidéo, mais parce que j'étais vidéaste avant, que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, la vidéo, donc j'ai allié deux choses qui me plaisaient beaucoup, la vidéo et le vélo. Et, ah, ça s'explique. Mais complètement, complètement. Et le fait de pouvoir tout d'un coup accrocher une caméra sur ton vélo, ce qui n'était pas possible avant avec tes grosses caméras à cassette, ça tremblait dans tous les sens. Et là, tout d'un coup, tu as une GoPro, un stabilisateur. Alors, c'est un gros budget de départ, mais tu ramènes des images sensationnelles. Enfin, ça a été une révolution en termes de vidéo. C'est GoPro et consorts. Hein. C'est pas forcément GoPro, c'est. Oui, oui, mais oui. N'importe laquelle. Mais il y en a qui ont investi dans une caméra à 50 balles, qui tremble dans tous les sens. Mais à partir du moment où il y a le discours, moi personnellement, en tant que spectateur, ça on va dire même auditeur, ça m'intéresse parce que je suis très friand du ressenti de chacune et chacun sur sa selle par rapport à ses aménagements et tout ça. Et puis, je pense à Martin qui est à Amsterdam, donc il a une caméra qui n'est pas fofolle, hein. Mais il se pose derrière son ordi et son micro et il nous partage les images de ses trajets à Amsterdam. Bon, là, tu es en PLS parce que tu te rends compte que même à Paris, où il y a plein de pistes cyclables partout maintenant, tu as l'impression d'être dans le tiers-monde de la cyclabilité. Parce que Amsterdam, c'est 84% de part modale de déplacement en vélo. 84%. La dernière fois qu'on a mesuré à Paris, c'était 4%. 4%. C'est tout petit. 4%. Oui, ah oui, oui, mais c'était il y a longtemps, c'était en 2014. Hein. Ouais. Donc, ah oui, ça a bien changé depuis. Oui, oui, complètement. Mais ça n'a pas été mesuré depuis. Voilà. Ouais, ouais, les dernières parts modales d'usage à Paris, c'est 50% à pied, beaucoup en transport en commun, je ne me souviens pas combien, 4% à vélo, seulement 3% en deux-roues motorisées, c'est-à-dire moins que les vélos. On n'a pas du tout cette idée-là. Mais en fait, effectivement. Bah non, attends, tous les scooters et mais tout. Mais oui, là, mais parce que pourquoi? Parce qu'ils font tellement de bruit et qu'ils prennent tellement de place sur les trottoirs qu'on a l'impression qu'ils sont plus nombreux. Mais finalement, ils sont moins nombreux que les cyclistes. Eh oui. Ah ouais. Ah, t'as vu, hein? Ah, ça t'a cassé la tête, là. Hein? Ouais, ouais. Ah ouais, ben, on s'en rend pas compte. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Et l'automobile, c'est 10%. 10% des déplacements. Donc. Tu D'accord. rajoutes l'automobile et les deux roues motorisées, ça fait 13% des déplacements pour 50% de l'espace public qu'il aurait alloué à Paris. Attends, je n'ai pas compris. Ils sont 13%, ouais, 13% des gens qui se déplacent à ouais. Paris et ils disposent de plus de 50% de l'espace public. Oui, d'accord. Ok, c'est comme les 2% de population qui sont milliardaires, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En gros, c'est gâté pourri. Okay. C'est pas juste, voilà, en fait. En gros, c'est gâté pourri. Et dès qu'on fait une piste cyclable sur un trottoir, ils sont en train de râler parce qu'on leur prend de l'espace sur le trottoir. Bref. Mais parce qu'ils ils sont pas tant que ça. Mais en fait, ils sont pas nombreux, mais en termes de volume de place, ils prennent plus de place. Ah, c'est ça, complètement. Le souci, mais oui, en fait. Mais c'est tout le calcul. Moi, j'ai aucune animosité par rapport à l'automobile, par rapport au fait de se déplacer en voiture, tout ça. Je veux dire, ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange, c'est quand tu viens te plaindre que gna gna gna, il y a des bouchons, que gna gna gna, on fait des pistes cyclables, que gna gna gna, alors que tu es minoritaire dans le calcul par rapport à ceux qui se déplacent en transport en commun, à ceux qui se déplacent à pied et à ceux qui se déplacent en mobilité douce, on va dire. Voilà. Ce n'est pas un partage du gâteau du tout équitable. Donc, à partir du moment où tu es tellement favorisé, tu ne peux pas la ramener en venant te plaindre.
et à base de Hidalgo d'émission. Mais c'est pas le ressenti. Mais non, c'est pas le ressenti. Le souci, ouais. C'est pas le ressenti, mais la réalité est là. Et une autre réalité, c'est la pollution liée à l'automobile et aux 50 000 morts par an en France liées directement à la pollution automobile. Donc, bah, du coup, je pense que par rapport au confinement, le fait qu'il y ait eu moins de voitures, donc il y a eu certainement moins de causes de décès aussi. Oui, bien sûr, il y a des articles qui sont parus cette semaine qui disaient que, alors c'est complètement triste, et puis c'est même un peu glauque comme calcul qu'ils ont fait, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que cette épidémie de Covid qui a fait plus de 26 000 morts en France aujourd'hui, elle a épargné plus de vies qu'elle n'en a pris, justement à cause de l'automobile. À cause de l'automobile et de la pollution et des morts liées à la pollution et de la mortalité routière. Ouais. Et il faut aussi penser à tous ces cyclistes qui n'ont pas pu rouler pendant 2 mois. Oh là là, toutes les clavicules pas fracturées, tous les genoux qui sont encore entiers. Oui, les genoux. On n'y pense pas à ça. Ne parle pas des genoux. Parce qu'en fait, oh là là. C'est mon point faible. Énorme. Le début de saison, c'est le moment où tout le monde a des accidents de vélo, quoi, parce que tout le monde se remet à rouler, etc. Ouais. Et c'est là que tu te gamelles, quoi. Et après, t'as l'été qui est foiré, bref. Je parle en connaissance ce qui m'était arrivé. Ouais, voilà. Donc, c'était fin mai, mais ça m'était arrivé. Mais en gros, c'est ça, c'est que tu vois sur les réseaux sociaux, quand tu suis des groupes de cyclistes, tu vois, mais les gens tombent comme des mouches à vélo au beau jour. Mais en fait, grâce au confinement, tous ces gens qui n'ont pas eu de fractures, de ci, de ça, on n'y pense pas. Mais bref, bon, est-ce que toutes ces fractures vont être décalées à maintenant? Je ne sais pas. Faites gaffe, les gens, quand vous voulez, parce que la fracture n'est pas... Je pense que même les gens, s'ils se fracturent, ils ont peur d'aller à l'hôpital, là, aujourd'hui. Oui, c'est peut-être ça aussi. Alors, attends, j'ai eu des questions. Moi, je vous ai découvert grâce à Bilouk, puisque ma fille m'a offert la gaffette Team Bilouk. Ah là là, excellent. C'est Laurent, ça. Merci à ta fille. Ouais. À quand le live spécial piste cyclable temporaire post-déconfinement? Justement, moi, je voulais causer confinement-déconfinement, parce que tu as fait des vidéos en confinement et une récemment, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport au déconfinement. Je sais pas, tu veux te lancer en monologue sur ça? Alors, le confinement, est-ce que tu as roulé en confinement? Il n'y a pas de mauvais ou de bon confinement, tu vois. Non, je suis reparti. Joue là. Oui, la chose. Je m'en vais, vas-y, fais ton monologue. Oui, effectivement, oui, j'ai roulé pendant le confinement. J'ai partagé des images sur YouTube. J'ai partagé justement un montage musical qui est dans l'esprit de l'origine de ma chaîne, de mon premier trajet à vélo en période de confinement. Bon, j'ai halluciné, évidemment. J'ai complètement halluciné. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucun intérêt à aller prendre la piste cyclable. J'étais sur la chaussée, j'avais toute ma place. Et puis, je fais partie des gens qui considèrent... Alors, effectivement, les aménagements cyclables, c'est super important, c'est crucial. En ville, en milieu urbain, tout ça, il n'y a aucun souci. Même ailleurs, d'ailleurs, les voies vertes et tout... tu préfères toujours rouler sur une voie verte que sur une grosse départementale où c'est limité à 80, mais où ça roule à 140, toi-même, tu sais. Mais c'est très bien les aménagements cyclables, mais moi, j'ai un profil à la base qui est beaucoup plus cycliste véhiculaire parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai commencé à rouler à Paris dans les années 90 et dans les années 90 à Paris, il y avait 2 pistes cyclables et tout le reste, c'était la chaussée. Donc, je me suis accoutumé à cette manière de circuler. Et... Moi, personnellement, je préfère rouler sur la chaussée que les pistes cyclables. Alors, j'ai une copine, Mogor, à Lyon, qui dit toujours « je préfère rouler sur la chaussée que sur une piste cyclable mal branlée, sic. » Oui, voilà. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, tu passes plus de temps à faire des slaloms, des trucs. Il y a des poussettes, des poubelles, des trucs, des bagnoles. Il y a plus de... Enfin, tu ne roules pas, en fait. Si tu veux vraiment avancer... Oui, bien sûr. C'est pas la petite balade, tranquille. Si tu veux avancer parce que c'est un moyen de locomotion... Oui. Faut que ça soit quand même efficace. Non, et puis à la base, le code de la route, le vélo est un véhicule et à la base, ça... Il a sa place. Voilà, à la base, il a sa place sur la chaussée, absolument. Donc, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et il y a quelque chose qui me heurte parallèlement à ça, c'est que
même si ça n'existe plus depuis le millénaire précédent, il reste quelques pistes cyclables résiduelles d'un ancien temps qui sont obligatoires. Oui. Or, à la base, maintenant, il n'y a pas de pistes cyclables obligatoires dans le code de la route. Mais c'est vrai que jusqu'au milieu des années 90, il en restait beaucoup. Et puis en 96, ils ont bien mis un décret qui faisait que tu n'as pas le droit d'imposer une piste cyclable à un cycliste, notamment un cycliste de route ou qui roule vite. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu roules vite en ville, particulièrement en ville. Tu n'as rien à faire sur. Bah oui, oui. Tu ne peux pas aller te fourrer sur une piste cyclable. Mais moi, j'en vois encore beaucoup. On est d'accord, les pistes cyclables obligatoires, c'est celles où c'est le vélo dans un rond bleu. Voilà, le panneau est rond et il n'est pas carré. Ouais. 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 Mais ça, moi, j'en vois encore régulièrement. Sur certains tronçons. Mais après, c'est les tronçons où vraiment, tu peux rouler vraiment, en fait. Tu ne fais pas, je sais pas, 50 mètres, puis tu as un peu oui, oui, sur voilà. Toi, puis tu changes. Puis c'est du tout droit et c'est vraiment pour faire la séparation. Oui, alors ça, alors il y a quand même dans le code de la route un facteur déterminant, c'est qu'à partir du moment où la chaussée adjacente à la piste comporte plus de deux voies, c'est-à-dire à partir de trois voies, dans le même sens, s'il y a une piste cyclable, mécaniquement, elle devient obligatoire. Bon, à ce moment-là, ça fait sens. Et en même temps, ça n'a pas de sens. Parce que finalement, s'il y a trois voies, ça veut dire que tu peux bien prendre ta place sur la voie de droite. Ils ont quand même deux voies pour te doubler, les gens. Donc, et te doubler proprement. Je veux dire. Mais bon, bref, c'est le postulat après, de départ. Après, du trois voies où ça roule... souvent, quand c'est plus de deux voies, c'est que ça... Même déjà deux voies, c'est que ça roule vite, quoi. Oui, mais tu vois, on a un exemple à Paris. On a un trottoir cycliste sur les berges de rive gauche, juste avant le pont de Bir Hakeim, quand tu viens dans le sens Notre-Dame-Bir Hakeim. Et là, effectivement, c'est deux fois trois voies sur la chaussée. Donc, le trottoir cyclable est obligatoire, avec un panneau rond. Sauf que, mécaniquement, ce n'est pas une piste cyclable, puisque c'est sur le trottoir. Donc, ce n'est pas considéré comme une piste, mais comme une bande. Et voilà, il y a plein d'inepties comme ça où c'est pas logique de faire des aménagements obligatoires. Et puis bon, alors, après, tu as des villes un peu plus préhistoriques, genre ici les Moulineaux, où là, carrément, tu as juste un boulevard avec une voie dans un sens, une voie dans l'autre. Et puis, tu te retrouves avec une bande cyclable sur trottoir obligatoire, mais parce que c'est tout simplement soit une décision du maire, qui a autorité en la mesure, et puis il peut produire un arrêté municipal qui oblige cette piste, enfin cette bande cyclable, soit le préfet. Voilà. Mais c'est l'exception, en fait. C'est l'exception. C'est-à-dire qu'à la base, elle n'est pas obligatoire, elle peut être rendue exceptionnellement obligatoire sur décision du maire ou du préfet. Quoi. D'accord. Il y a Anthony qui demande où est-ce qu'on peut trouver le code de la route pour les vélos. Donc il y a des réponses déjà, c'est le même code de la route pour tout le monde, et il existe un petit livre. Qu'est-ce que... Oui, alors, sur Internet, Légifrance, qui recense... Légifrance, ouais, Légifrance, qui recense tous les articles du code de la route appliqués à chaque usager. Donc, voilà, donc à la base, on est soumis au même code de la route que les automobilistes et les motocyclistes, mais il existe des spécificités au code de la route appliquées aux cyclistes, notamment sur toutes les spécificités plus récentes comme les fameux panneaux de tourne à droite ou de va tout droit ou de va à gauche ou de va où tu veux, là, M12A, M12B et consorts. Je parle pour les Français, ils appellent ça des B12 en Belgique. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les sas vélos, au feu, qui sont absolument pas respectés par les automobilistes parce qu'ils n'en ont pas eu connaissance. Hein. C'est con, le truc à 24 ans, le sas vélo, mais les gens ne savent toujours pas ce que c'est. Quoi. Voilà. 24 ans ? Oui, c'est 96 ans, le sas vélo. Ouais. Ah ouais, et pourtant, moi, j'ai passé le code. Après, les sas vélo, c'est peut-être plus dans les grandes villes, c'est ça. Parce que moi, du coup, j'ai passé le code dans ma région, en Alsace, dans un petit bled. Et il n'y avait pas, j'ai jamais vu de sas vélo avant. C'est que sur Paris qu'il y en avait. Quoi. Ouais, ouais. Donc, en fait, même en passant le code de la route, il y a moins de 24 ans, il n'y avait pas. J'en ai jamais vu, quoi. Ouais. Même dans le code, je ne me souviens pas en avoir vu. Bon, après, tu qu'est-ce sais. Que je fais réponse A, réponse B, j'y vais pas. Après, je compte pas. J'écrase le cycliste. Je compte pas le nombre d'auto-écoles qui sont tankées dans le sas vélo au feu, justement, ou garées sur les pistes cyclables. Hein. Donc. Ouais. Peut-être que tu as eu le même mono qu'on voit tous les matins sur notre piste cyclable. Hein.
Il a pas encore appris sa leçon. Et donc du coup, ouais, on parlait donc confinement. Ouais. Oui, donc c'était une expérience. Dans Paris, ouais, c'était une expérience un petit peu en ascenseur émotionnel parce que il y avait très très peu de monde. J'allais plutôt me tanker sur la chaussée, mais du fait qu'il y ait eu très peu de monde et puis vous avez tous vu passer des articles de presse qui disaient que jamais on a vu autant d'excès de vitesse en grande vitesse, en grand excès de vitesse. Bah, c'était un peu ça, bah, et puis c'est un peu parlant sur les vidéos que j'ai publiées, c'est que il y a personne sur une deux fois deux voies, je suis peinard, je prends ma place sur ma voie, et puis on vient me raser les moustaches alors qu'il y a personne et qu'il y avait tout à fait moyen de m'éviter dans les règles de l'art, alors que c'était pas le cas, quoi. Donc bon, un peu l'ascenseur émotionnel aussi, et puis d'autre part parce que moi j'étais pas super tranquille aussi de reprendre le travail dans ces conditions parce que j'avais un peu peur de... Finalement, j'étais bien dans mon petit cocon confiné quand j'ai été malade et puis que je me suis remis. Mais il fallait reprendre le travail et puis voilà, c'était encore un moment où c'était un peu anxiogène par rapport au virus. Enfin, c'est toujours le cas, mais puis il ne faut pas l'oublier que c'est toujours le cas. Mais, oui, il est toujours là. Mais hein. Voilà, c'est ça. Moi, je trouvais ça trop mignon, c'est dans ta vidéo, je ne sais plus si c'était pour le confinement, ouais, si c'est pour pendant le confinement, où tu disais, bah là, c'est mon feu, et là, c'est mon poteau où j'aime bien m'accoucher. Mais oui. Mais je ne peux pas le toucher, mais non, le poteau. Mais tu vois, mais c'est ça. C'était mon poteau, oui. Mais je ne peux pas. Mais oui, parce que moi, je m'accroche à mon poteau. C'est une habitude, bah oui. Mais, et puis là, tout d'un coup, tu tends la main et tu fais « Ah non, merde !» Tu dis « Je peux pas le toucher !» Mais oui. Tu vois, c'est les petites habitudes comme ça, je pense qu'on se rend pas compte. Ah, ton petit poteau. Bah oui, quoi. Moi, j'ai trouvé ça c'est pratique, comme ça, t'as pas besoin d'éclipser les pédales, tout ça, mais voilà. Bah bien sûr, non mais oui. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a ? Il y a des gens qui disent coucou. Pour les 16 vélos, les aménageurs auraient pu mettre un dessin de vélo sur la route et une ligne blanche avant pour donner des indices aux automobilistes. Oui, alors c'est un peu le cas quand même. Ouais. En fait. Ouais. On pourrait faire un petit rébut, tu vois, sur les 100 mètres. Ouais, 100 non, mètres mais alors, il ouais, faut leur mettre un panneau. Attention, 16 vélos, oui. Vous allez arriver à un 16 vélos ouais. Où il y a une ligne blanche d'effet du feu. Effectivement, qu'à partir du moment où si tu la grilles en voiture alors que le feu est rouge, c'est considéré comme un franchissement de feu rouge et tu te prends 135 euros et moins 4 points hein, si le feu est rouge d'emblée. Hein. Voilà. Et si jamais tu te retrouves coincé dans un bouchon et qu'il se trouve que tu te retrouves à l'arrêt sur le sas vélo juste avant que le feu passe au rouge, là c'est une amende de deuxième catégorie, c'est aussi, 35 euros d'amende et tu perds pas de points. Mais bon, bref. Ouais, enfin, il y a quand même des vélos peints sur ce foutu sas, quoi. Enfin, pourquoi les gens comprennent pas ? Ouais, ouais. Mais est-ce que toi, t'as senti une différence, déjà même sans parler confinement, par rapport à la grève ? Tu sais, ils ont créé, enfin, à la grève où du coup, il y a beaucoup plus de cyclistes. Ouais, est-ce que t'as pu sentir, toi, c'est peut-être un film, hein, mais un changement de comportement des automobilistes ? Est-ce qu'ils faisaient vraiment plus attention parce qu'il y avait plus de vélos à cette époque-là ? Je sais pas. T'as eu le temps de... Enfin, je sais pas, ça oui, se trouve oui, si, un oui, film oui, pour s'en rendre compte. Non, non, si, j'ai eu le temps, mais alors, j'ai... En fait, j'ai senti un espèce de décontenancement, c'est-à-dire que, honnêtement, les gens qui circulent à Paris maintenant, en voiture particulièrement, on sent une tension, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont emmerdés parce que ça grouille dans tous les sens. Et ça grouille littéralement. Et effectivement, il y a beaucoup plus de vélos, beaucoup plus de trottinettes. Et moi, je l'ai senti moi-même. C'est très rare que j'aille à Paris en automobile, mais ça nous est arrivé avec mon épouse. Et on se faisait la réflexion que, waouh, ça vient de partout et dans tous les sens. Ouais. Et pas oui. forcément dans les sens autorisés, effectivement. Et pas forcément au feu vert, effectivement. Voilà. Et encore une fois, c'est le schéma habituel de tous ces débutants qui arrivent, voilà, en trottinette, en monoroue, en gyropode là, ou à vélo. Mais tu sens que tout ce petit monde se comporte un petit peu comme s'il était piéton. C'est la spécialité parisienne avant tout. Le piéton, il ne traverse jamais au bonhomme vert, il va traverser au bonhomme rouge et à 50 mètres de son passage piéton. On le sait tous, c'est dans la mentalité parisienne.
Et tout d'un coup, ces gens-là, ils sont propulsés à 25 km/h sur des engins motorisés, des vélos électriques, voilà, des gyro-roues, des trottinettes électriques. Et c'est vrai que c'est quasiment un petit peu anxiogène parce que tu sais pas où donner de la tête quand tu conduis ta Oui, bah bagnole oui. à ce moment-là. Donc, ouais, j'ai senti cette différence. J'ai pas senti plus d'animosité que ces dernières années. Je pense que c'est à partir de 2015-2016 où vraiment, là, j'ai pris une claque parce que je me suis rendu compte que j'avais des mises en danger de ma vie qui étaient délibérées et j'avais jamais observé ça jusqu'alors. Particulièrement Mais au début des ouais. années 2000 où je te disais il y avait deux pistes cyclables à Paris uniquement, et ben sur la chaussée, j'étais pépère, et puis les gens étaient patients, et puis ils me dépassaient proprement, beaucoup plus proprement qu'aujourd'hui. Alors qu'on dispose de beaucoup plus d'aménagements pour nous protéger, qu'on dispose de plein d'aménagements du code de la route, les sas vélo, les tournes à droite et compagnie, mais tu sens plus d'animosité et d'agacement, d'énervement, en fait. Tu sens que les gens sont à bout. Non, mais y a... Bah oui, c'est ça, mais il y a tellement de trucs à gérer. En fait, toi, tu es dans ta caisse et tu vois rien, tu n'entends rien, et ça vient dans tous les sens. En Oui, fait, tu oui. peux pas avancer tranquillement en voiture, quoi. Donc, moi, je peux comprendre que parfois, ouais, enfin, les gens, ils pètent des cases. Et en plus, avant d'arriver sur Paris, ils se sont tapés, mais je ne sais pas combien de kilomètres de Oui, bouchons. Ça fait plus d'une bien heure qu'ils sont dans sûr. la Ouais, voiture. Mais enfin, psychologiquement, je trouve ça normal presque de péter un câble. que certains Voilà, pètent des câbles oui, mais et fassent délibérément des... le problème, c'est Je que ne prêche pas du tout pour eux, hein, mais je peux le comprendre, clairement. Oui, mais voilà, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu pètes un câble, si tu pètes un câble à vélo, tu feras de mal à personne. Si tu pètes un Ouais. câble avec tes En voiture, 70 kilos dans ta tonne et demie d'acier, ouais. et bah, tu peux faire un mort, quoi. Et c'est le cas. Et voilà, et on en voit des images sur les réseaux sociaux tous les jours. Et ça, c'est le côté qui m'agace le plus parce que ça me fatigue, parce que ça renvoie toujours cette image négative. Mais en même temps, c'est une réalité. Et pour ça, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'investissent énormément, alors qu'ont toujours un discours qui est anxiogène et qui est finalement un repoussoir à toute personne qui veut commencer le vélo en ville. Mais il y a des gens qui pointent ça vraiment du doigt quotidiennement et avec puissance. Enfin, je pense à 50 euros, je ne sais pas si tu connais, sur YouTube, Non. et sur Twitter, c'est le king de la vidéo vélo en France, de loin, hein, genre beaucoup plus loin que tout le monde d'ailleurs. Donc, il s'attache vraiment à dénoncer toutes ces incivilités, avec beaucoup d'énergie et avec beaucoup d'opiniâtreté. Mais c'est vrai que quelque part, après, ce que tu vas retenir de ça, c'est toujours un petit peu du négatif. Bah oui. Mais parallèlement à ça, c'est vrai que c'est une réalité par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans. On constate beaucoup plus de comportements vachards par rapport aux cyclistes. Délibérément haineux, Voilà, c'est ouais. ça, complètement. Complètement. Ouais. Dans les commentaires sur YouTube, sur la route, dans les commentaires sur Twitter, enfin, voilà. Là, si tu tapes. En fait, finalement, personne n'a vraiment sa place, quoi. C'est comme un couple qui se... Il n'y a plus personne s'écoute, plus personne s'entend, plus Oui, personne... et alors au-delà de ça, justement, voilà, C'est... au-delà de ça, justement, c'est cette espèce de frange de la cyclosphère qui va venir. Toujours pointé du doigt, toujours pointé du doigt, toujours pointé du doigt. Puis ça va entretenir une espèce de dualité, de choc frontal entre deux mondes, c'est-à-dire le monde des Ouais. motorisés et le monde des mobilités douces. Alors que, bon, à la base, c'est le fameux partage de la route. Alors après, Bah oui. j'ai l'impression d'être. J'ai l'impression d'être Pierre Chasseret quand je dis ça. Je me sens tout sale. Oui, il y a un entre-deux quand même qu'il faudrait retrouver. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a autant de cons chez les cyclistes que chez les automobilistes, quoi. Absolument, Et les oui, gens, il y a bien quelque chose, sûr. la part est la Les même, cons sont donc il n'y a c'est pas... universel, bien sûr. Oui, les cons... Oui, complètement. Mais c'est vrai qu'un con à vélo, il ne fera pas de mort, quoi. Voilà. Oui, bah, oui, Voilà. c'est ça le... Ou C'est peut-être pour lui. voilà. Il y a Thomas qui dit il y a une trop grande densité de population à Paris pour une circulation saine et sans animosité. Bah oui, c'est ça, c'est que Ah oui, alors les gens parallèlement à au ça, mètre parce que carré, quoi. voilà, oui, j'entends toujours les débats. Alors je m'efforce toujours de jamais faire de politique. D'abord parce que ça ne m'intéresse pas la politique, et puis en plus parce que je ne sais pas très bien où me placer moi non plus. Mais Mais quelque part, tu es quand même engagé. À partir du moment où je pense que tu es sur un vélo, tu es forcément engagé. Enfin, tu représentes quelque chose sans le dire, mais... ouais, on me le dit souvent, oui. Mais
écoute, je mets beaucoup de garde-fous là-dessus. Voilà, parce que j'ai. En fait, ça m'agace cette espèce de débat gauche-droite qui est très parisien et qui a toujours tendance à dire si tu fais du vélo, t'es une gauchiasse, et puis si t'es en bagnole, t'es un droitard. Alors que finalement, si tu regardes un petit peu plus loin que Paris, tu vas constater qu'il y a des villes comme Bordeaux qui étaient beaucoup plus évoluées en termes de cyclabilité il y a encore 5 ans que Paris. Et puis Bordeaux, bah, c'est Alain Juppé, je veux dire, c'est pas la gauchiasse de base hein, quand même. Ou même dans l'Est, il y a plein de villes, l'Est qui traditionnellement à droite quand même. Oui, Strasbourg. Voilà. Mais Strasbourg est PS, hein, par contre. Moi, je suis d'Alsace. Donc, oui, Strasbourg. Oui. En particulier, en général, mais... c'est tout bleu et au milieu, voilà, t'as un point rouge. Voilà. Mais bon, bref, voilà. Il n'y a pas que Strasbourg, il y a Colmar, tout ça, voilà, où c'est hyper aménagé, où la part modale est bien plus grande qu'à Paris, mais traditionnellement depuis très longtemps. Et voilà, si tu veux, c'est pas une question de couleur politique, c'est une question politique. Parce que effectivement, si le politique n'est pas au rendez-vous pour faire la place au vélo et pour considérer le vélo, voilà, effectivement, si le politique ne joue pas son rôle, c'est raté. Donc oui, c'est politique, mais ça n'a pas de couleur politique. Voilà. Bien sûr, ouais. D'ailleurs, enfin, c'est une tradition française. La politique à l'échelon local est complètement déclivée de la politique à l'échelon national. Voilà. Les postures sont quand même beaucoup moins dogmatiques, on va dire. Et du coup, là, par rapport, donc là, on a parlé un peu confinement et politique, hein, pour quelqu'un qui ne parle pas politique, t'es quand même bien inspiré. Déconfinement. Ouais. Est-ce que tes impressions par rapport à des mesures qui ont été prises, est-ce que tu as vu des changements sur tes vélos taf? Bien sûr. Fais ton Édouard Baird plutôt, parce qu'apparemment les gens préfèrent que tu fasses ton Édouard Baird que ton Pierre 40M, je sais plus. On a vu apparaître les fameuses. C'est barbare comme néologisme, mais c'est les fameuses coronapistes. Peut-être en urgence. Je sais que du côté de Lille, il y en a. Est-ce qu'à Roubaix, ils ont fait ça aussi? Est-ce qu'ils ont... Sur certains grands boulevards. Ouais. Bon, bah, mais moi, tu vois, pour aller au taf à vélo, il faut que je prenne mon vélo sur l'épaule et que je monte deux étages. Donc, j'ai pas pris mon vélo depuis un bout de temps, même parce que, en fait, je fais mes courses à vélo en général, mais là, je ne les faisais pas. J'ai mon imprimeur à vélo, mais vu que la prod était à l'arrêt, voilà, ça fait un bout de temps que j'ai pas pédalé. Puis je sais, y a déjà des pistes cyclables, et puis c'est pas des grands axes que moi je prends, en fait. Moi, j'aime bien prendre les petits chemins détournés pour être tranquille. Ouais, bah là, puis je roule pas aux heures de pointe, enfin voilà, je suis en décalé, moi je suis pas du tout en bonne. T'es indépendante. Ouais. Tu bosses comme tu veux, comme tu peux. Beaucoup. C'est ça. Voilà. Même le samedi, jusqu'à. Il est presque 13h, punaise. Écoute, vas-y, abonnez-vous tous à Vera. S'il vous plaît. Non, mais parlons. Pardon. Je regarde juste. Il y a Laurent qui dit bye bye, il doit partir. Bah oui, tu vois, ça fait un bout de temps, mais attends, on n'avait pas fini. On parlait des confinements, donc ouais, ces pistes cyclables. Ouais, les coronapistes, alors c'est un exemple totalement emblématique et complètement. Mais... Moi, ça fait un peu penser à une piste de danse avec la musique de Corona. J'imagine un peu là. Je pédale toute la nuit. Ouais. Et t'avais dit qu'on ferait. Oui, il faut que tu danses parce que pour mettre de l'ambiance. Tu m'as fait danser. Allez, bouge. Oui, les gens s'en vont, faut qu'on les garde. Restez. Ah non, n'allez pas manger, midi 40, enfin. Quand je fais des lives, je vais lâcher avant 15h. Mince alors. oui. Du coup, allez, Non, mais le truc de fou, quoi. Enfin, de la porte-maillot, donc t'arrives de Paris, porte-maillot jusqu'à la Défense. Ils ont fait une piste sur la N13. La N13, c'est un truc de malade, c'est une 2x4 voies. Alors, jusqu'au pont de Neuilly, elle est limitée à 50, mais c'est juste une autoroute, quoi. Et là, ils ont pris un quart, une voie, pour faire une piste temporaire. C'est le dernier endroit au monde où on s'attendait à ça. Enfin, je veux dire, même Anne Hidalgo, elle n'aurait pas osé, tu vois. Là, on est dans l'empire de la bagnole, c'est Neuilly. Tu penses que le confinement a...
Ah, vite, c'est quoi le mot? A permis la réalisation de plein de fantasmes de Madame Hidalgo. On parle politique ou pas? Bref. Alors, tu sais qu'en réalité. Ah oui, le RER vélo, il oh, y a trop de sujets. Bah oui, c'est de la folie. Mais oui. En fait, en réalité, Anne Hidalgo, elle a un cheval de bataille, c'est la pollution automobile. Mais il faut reconnaître que c'est pas elle qui est vraiment la force de frappe en la matière. C'est vraiment Christophe Najdowski qui était son premier adjoint pendant très longtemps, qui est toujours adjoint à la maire de Paris et qui est vraiment à l'origine du travail du plan vélo parisien depuis le début de la mandature de Daniel Hidalgo. Mais là, elle a un discours qui est vraiment beaucoup plus axé vélo, elle, en son nom propre. Que ça ne l'a été jusqu'alors. Donc, déjà, c'est un bel effet de ce qui s'est passé. Bah ouais. Et donc, du coup, toi, tu l'as pris, cette méga piste, c'est sur ton. Ouais, ouais, mais après, c'est sur la N13, donc 2x4 voies. Donc, ils ont pris une voie pour faire juste les cyclistes dans un sens. Et puis, dans l'autre sens, c'est une espèce de piste mal branlée entre la contre-allée et puis le trottoir. Bon, bref, on ne va pas cracher dans la soupe, hein. C'est quand même révolutionnaire. Et puis surtout, sur le pont de Neuilly, là où c'est limité à 70, là, ils ont pris une voie pour faire une bidirectionnelle, c'est-à-dire pour permettre enfin aux cyclistes d'accéder légalement au parvis de la Défense. C'est-à-dire légalement parce que, en fait, jusqu'alors, tous les cyclistes passaient sur le trottoir, mais de manière illégale. Sauf qu'il y avait du coup des militants d'associations vélo qui avaient peint des pictogrammes au sol. Mais c'était anarchique, au sens propre du terme. Et puis tous les cyclistes passaient par là aller-retour. Le pont qui n'est jamais éclairé, ni pour les piétons, ni pour les cyclistes. Ouais. Alors qu'il y avait quatre voies à gauche, effectivement. Donc là, c'est totalement, totalement révolutionnaire. Et ça se fait dans la légalité. Donc là, on va s'accrocher pour qu'elle reste, cette piste, et qu'elle ne soit pas... Parce que souvent, les choses un peu temporaires, les solutions un peu, vas-y, on fait ça, puis on verra après, ça reste souvent après, bon, peut-être pas, je ne sais pas, dans les villes, mais souvent, tu sais, on répare un truc vite fait, ouais, ça va tenir, je le ferai mieux plus tard. Et puis en fait, ça reste 4 ans. Oui, mais là, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal gaulé. Et puis tu vois, je suis passé hier, ça y est, ils ont fait les rampes. Toute la semaine, il n'y avait pas encore les rampes, donc il fallait que tu portes ton vélo pour descendre sur la chaussée. Enfin, c'est séparé, il y a des séparateurs en béton. Mais il y a encore des travaux en cours pour améliorer. Ah oui, puis ça va continuer sur le boulevard circulaire qui fait tout le tour de la Défense. Enfin, bon, c'est complètement. Donc c'est énorme ce qui se passe là, c'est énorme. Et puis bon, à l'échelon de Paris et de l'Île-de-France, voilà. Même alors rue de Rivoli, Anne Hidalgo a carrément décidé de fermer totalement la rue de Rivoli, mais alors ça n'a rien à voir avec les cyclistes et tout ça, puisque la bidirectionnelle a été livrée il y a un an sur la rue de Rivoli pour les cyclistes. Donc tu peux faire la rue de Rivoli dans un sens ou dans l'autre. Donc dans un sens, c'est totalement inédit, c'est-à-dire la remontée de Concorde à Bastille. Ouais, la remontée, ouais. Voilà. Moi, je me souviens quand on l'a roulé, au départ, c'était un peu les premiers kilomètres du RDM où on se chauffait. Un petit peu, on va dire, mais bon, on était toujours sur la chaussée parce que tu as le trottoir. T'avais la piste cyclable et les voitures, mais on voit plus. Et les voitures, et après la chaussée, mais on passait jamais sur la piste cyclable. Enfin, non, c'était une Tibérie, c'est ça. J'appelle ça les Tibéries. C'est ça les Tibéries, d'accord. Les pistes contre le trottoir, et puis à gauche de la piste, il y avait les voitures stationnées, quoi. Oui, c'est ça. Puis les gens, ils font. Tu ne le fais pas. Non. C'est totalement clair. Ouais, complètement. Et donc, du coup, tu vas nous faire une petite vidéo avec tous les aménagements bientôt. Alors ça, c'est pas ma spécialité. Il y en a d'autres qui font ça très bien. Il y a Jeannot qui fait ça super bien. Jeannot le cyclo, qui fait souvent le tour des aménagements et tout ça. Et puis plein d'autres aussi, pas forcément sur YouTube, mais sur Twitter justement. Il y a beaucoup de vidéastes de la cyclosphère qui ne publient que sur Twitter. Et des petites séquences, tout ça, à tendance infrastructure, à tendance tel endroit, telle problématique et tout. Et c'est vachement complémentaire. Après, c'est un peu dommage parce que une fois que tu as publié un truc sur Twitter, après, ça se perd dans les limbes. C'est très difficile à retrouver. Alors que sur YouTube, tu vas sur la chaîne YouTube de un tel ou une telle, et puis tu retrouves facilement ce que tu veux retrouver. C'est, en termes d'archivage, on va dire, c'est beaucoup mieux structuré, YouTube, pour ça, quoi. Mais après, la force de Twitter, c'est que tout d'un coup, tu peux avoir une vidéo qui est vue des milliers et des milliers de fois très, très vite, parce que ça fait l'effet boule de neige, quoi. Après, rien n'empêche, une fois que t'as le média, tu peux le diffuser sur toutes les plateformes. En fait. Aussi, bien sûr. Après, c'est juste une manipulation à faire. Ouais, mais ça se perd.
Tiens, je vois, apparemment, il y a Abris59 qui fait ça à Roubaix sur Twitter. J'irai voir. Oui, Abris, c'est que moi, Twitter, je ne suis pas beaucoup dessus. Bah, Abris, il nous avait fait quelques daily ops commentés aussi. Ouais. D'accord. Et tu as déjà fait des daily ops dans d'autres villes ou pas? Ou c'est que le vélo taf? T'as jamais été genre en mode guest sur Strasbourg ou Bordeaux ou Tours ou je sais pas. Ouais, mais non, j'en ai pas. Oui, j'ai déjà filmé tout ça et capturé dans d'autres villes et à vélo. Mais je publie peu parce qu'après, j'ai pas le recul. Mais on va très souvent à Bordeaux, on va très souvent à Nantes, avec nos vélos. Mais puis c'est toujours un plaisir parce que Bordeaux et Nantes, c'est des villes qui sont encore plus cyclables que Paris, justement. Donc, c'est génial. Tu fais les bords du fleuve à Bordeaux, mais c'est incroyable. T'as un feu tous les 5 km, quoi. Alors qu'à Paris, tu fais les bords de Seine, t'as un feu tous les 200 mètres. Donc, c'est génial, Bordeaux, pour ceux qui se déplacent à vélo. D'ailleurs, Bordeaux, c'est très étrange, hein. C'est une ville qui a plus de 10% de part modale, donc par rapport aux 4% parisiens. C'est quand même énorme. Ouais. Quand je dis plus de 10%, il y a des périodes où ça monte à 20% en fonction de la saison. Mais, et c'est une ville qui est très, très peu active sur les réseaux sociaux et qui est très, très peu active aussi dans la vélosphère. Il y a très peu de monde. Bordeaux ? Ouais. C'est-à-dire que, si tu veux, Bah, tu vois, c'est pas ceux qui ont... C'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. Mais exactement. En termes de quantité de part modale, c'est exactement ça. C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand tu atteins cet effet de masse critique, quand il y a tellement de gens qui se déplacent à vélo, finalement, tu n'as pas forcément envie d'aller rouspéter sur les réseaux sociaux. Parce que 99% des gens qui viennent sur Twitter, c'est pour rouspéter. Mais on va pas se mentir. Donc, du coup, c'est bizarre que tu sois là-dessus, parce que toi, tu es un anti-rouspetteur, non? Ah oui, mais parce que justement, je vais là-dessus et puis j'arrête pas de dire t'arrêtes de gueuler, René. Voilà. D'accord. Ben oui, parce que t'es le modérateur de la vélosphère. Non, pas du tout. Moi, je suis arrivé là-dedans. Elle était déjà très très bien installée, cette vélosphère. Et voilà, je me suis fait une petite place là-dedans. Mais ouais, tu vois, il y a Guy Grimm qui dit Bordeaux n'est pas une ville de militants. Ça restera toujours la belle endormie. Ah oui. Après, il y a peut-être des. Ouais, mais pourtant, voilà. Ouais, historiquement. Le résultat, c'est que à Bordeaux, quand tu ouvres les yeux, tu regardes. T'as la mère de famille qui passe avec le cargo, le mec qui bosse dans les bureaux en costard, qui passe sur son vélo pliant. Et puis bon, ce sale gauchiste de Juppé, il a quand même supprimé 90% des places de stationnement dans les rues et tout. Mince alors, les piétons ont de l'espace, les vélos ont de l'espace. Oh là là. Puis j'ai entendu aussi... J'ai pas forcément mes sources là, je l'ai vu passer. De plus en plus, du coup, de villes vont redevenir, enfin, les centres-villes vont redevenir piétons, faire revivre le. C'est ça ton secret pour ta voix suave, là, c'est ta clope, c'est ça? Ah, tu sais que je viens de l'allumer, merde. J'entends le briquet, hein. On lui fait pas. Bah non, on fait pas. Après, tu t'étonnes que tu tousses juste après, quoi. C'est malin. Qu'est-ce que je disais? Ouais, que de plus en plus de centres-villes vont rendre les centres-villes piétons pour refaire, pour éviter la voiture, refaire revivre les petits commerces. Ouais, quand tu dis donc, ça, tu dis tout. Quand tu dis ça, tu dis tout. Ouais. Faire revivre les petits commerces. Oui, il y a plusieurs problématiques en une. Hein, non, mais c'est ça, en fait. Et puis, alors, ça me renvoie à l'illustrissime bouquin d'Olivier Razemont qui s'appelle « Comment la France a tué ses villes ». Voilà. Et comment on a tué nos villes, c'est en fluidifiant un maximum, en faisant des grosses artères, en piquant de l'espace à tout le monde pour faire passer un maximum de bagnoles. Encore une fois, j'ai rien contre la bagnole, mais à un moment, trop c'est trop, juste trop c'est trop. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fluidifies ta voiture, ta ville, elle devient un axe de transit. J'ai entendu Anne Hidalgo qui en parlait cette semaine justement en disant il ne faut pas oublier que la moitié du transit routier à Paris chaque jour, ce ne sont pas des gens qui s'arrêtent à Paris. C'est des gens qui traversent Paris par l'intérieur, ce qui était le cas des bergeries de droite, justement. C'était un drame. C'est des gens qui allaient bosser à la Défense et puis qui traversaient Paris de part en part pour retourner dans le Val-de-Marne le soir. Mais ça n'a aucun intérêt pour une ville, ça. Personne n'est gagnant là-dessus. Personne. Ouais, c'est vrai. Surtout quand, en plus, quand tu pars du Val-de-Marne, de toute façon, tu as le RER A et tu arrives 4 fois plus vite à la Défense qu'avec ta voiture. Et bon, après, c'est une question de confort et tout ça. Et puis,
le confort, c'est légitime. Enfin, chacun son confort. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais chacun son confort, mais il y a quand même des effets de bord, notamment la pollution, notamment le trafic engorgé, notamment le fait que tu arrives à des niveaux de saturation où tu as même des véhicules de secours qui ne peuvent pas arriver à temps, ouais, voilà, et tout. Et quand c'est complètement congestionné, c'est un drame. C'est un drame, et c'est un drame pour tout le monde. Et personne n'est gagnant là-dessus. Personne n'est gagnant là-dessus. Parce que les gens dans leur bagnole qui vont mettre 3 heures à faire 10 bornes, c'est juste ridicule. C'est une ineptie. Et puis tous ces gens qui vont mourir parce qu'ils sont fragiles et qu'ils vont mourir de maladies liées au trafic automobile et à la congestion et tout. Enfin bon, après, le bruit, tout ça. Enfin, c'est sans fin ce truc. Bref, tu parlais des centres-villes. Oui. Donc, attends, je regarde là. On va pas refaire une troisième heure de live. Non, j'ai faim et je suis bientôt à sec. Alors, ce que je te propose, c'est qu'il te reste 5 minutes. Tu peux faire un monologue de 5 minutes sur une conclusion. Non, peut-être pas 5 minutes de monologue, mais je sais, une conclusion. Est-ce que toi, t'es optimiste, toi, pour la suite ? Forcément. Enfin, oui, je suis optimiste parce que plus je vois de gens à vélo le matin sur le pont de Beson quand je pars, plus je suis content. Ouais. Ouais, je suis content parce que c'est. Et puis ça se voit sur leur visage. C'est des gens qui comprennent un truc. Il y a tellement de barrières à t'imaginer que tu peux te déplacer pour faire tes 6 km. Pour aller au boulot à vélo. Y a tellement de barrières, la barrière du temps, comment on va faire quand il fera froid, putain, t'as jamais froid en hiver. Et puis là, voilà. Puis je vais transpirer, et puis mon maquillage, il aura coulé. Et où est-ce que je garde mon vélo ? Il me faut un cadenas, il faut des lumières. Oui, alors que 100% des gens que je connais qui s'y sont mis, ils ne sont pas dans ce discours. Il n'y a que les gens qui ne savent pas ce que c'est, qui sont dans le discours. Et ça, c'est des gros freins, il faut les casser, ces freins. Mais moi, je suis super optimiste depuis la rentrée de septembre, même avant les grèves. Hein. Depuis la rentrée de septembre, j'ai pris une claque. Pourquoi il s'est passé quoi à la rentrée ? J'ai trouvé que ça avait déjà explosé. J'ai trouvé qu'il y avait déjà beaucoup plus de monde en selle. Tu as trouvé une raison ? Pas tellement, je pense que... Je ne sais pas. C'est peut-être le pouvoir de la vélosphère. Je ne sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup plus de monde. Ouais, dès septembre, avant les grèves. Ouais. Alors, pendant les grèves, c'était le pompon, voilà. Et puis maintenant, ça va être le pompon. C'est pas le pompon, là, actuellement, parce que il faut pas se mentir. Il y a qu'un actif sur deux qui a repris le boulot, là, depuis le déconfinement. Parce que tout le monde doit encore s'occuper des enfants, parce qu'on encourage toujours le télétravail. On verra ça plus tard, mais en tout cas, mon épouse, là, on est samedi, elle est en boutique et ça vend des vélos comme jamais, mais comme jamais. Ouais. L'échappée belle en force. 71 rue de Nanterre, Asnières-sur-Seine, l'échappée belle. En plus, ils ont ouvert leur nouvelle boutique. Quand j'avais été, j'avais vu la première boutique ils m'avaient dit qu'ils allaient... C'était quoi ? C'était au mois de... C'est quand que j'étais là ? C'était au mois de juillet. Ah ouais, c'est ça. J'allais dire un peu avant l'été, mais voilà, c'était l'été. Ouais. Oui, ah non, c'est canon, c'est canon. Oh là là, c'est canon. Ça fait 6 fois la superficie de la boutique. La superficie. Il me faut un café. Ouais. Si café commence à passer là. Ouais, c'est ça. Yes. Bon, tant mieux. Si ça c'est positif, je pense qu'on va rester sur ça. Ou est-ce que tu avais encore d'autres choses à rajouter ? Non, moi j'ai d'autres choses à demander. Alors, comment ça va, Vera Cycling, en ce moment ? Comment t'as passé le cap ? Ça va. Moi, le confinement, les premières semaines, au début du confinement, pendant 2 semaines, tout s'est arrêté, toute la production, etc. Même au niveau des commandes, j'avais plus de mails, j'avais plus de commandes. Ouais. Et là, tu te dis, c'est la fin du monde. Ouais, c'est ça, la pipe. Mais du coup, en fait, j'en ai profité pour faire d'autres choses. Donc, c'est live. Merveilleux. Ouais, les lives sont arrivés après, en fait. C'est pas au début que je me suis lancée. Parce que j'en ai profité pour rester dans ma bulle, faire mes choses, avancer. J'ai essayé de profiter de la situation aussi. J'essaie toujours de profiter. Et du coup, pour toi, ça a été un moment aussi, un moment inédit, où tout d'un coup, là, depuis le début de ta vie d'entrepreneuse, pouf, il y a eu un gros coup de frein à main et tu t'es retrouvée face à toi-même comme jamais, parce que tu n'avais jamais eu le temps, parce que tu avais la tête dans le guidon depuis tant de temps. Non, en fait, je me suis retrouvée comme au tout début de Vera Cycling, c'est quand tu lances un truc
où tu fais des choses, mais tu sais pas quels impacts Ouais. ça va avoir. Enfin, tu sais, tu moulines un peu, tu pédales dans le vide, Ouais. tu sais pas trop. Mais qu'en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai fait depuis le début, bah, ça a porté ses fruits, tu vois. Et puis, bah, après, moi, il y a quand même la communauté qui était là. Et puis, à partir du moment où on avait un peu une date de déconfinement, alors là, les gens se projetaient, tu vois, pour aller rouler, faire ci, faire ça. Et là, les commandes sont mises Tremblement pour de terre. arriver. Et oui, c'est ça. J'ai une table de camping de Quechua et qui me sert de support. Et en fait, du coup, les gens avaient le temps aussi, tu vois, pour des idées de casquettes custom, ou s'imaginer partir ici et là, et des Ouais. idées cadeaux. Enfin, et du coup, là, j'ai commencé à avoir pas mal de commandes. Et là, depuis, ça n'arrête pas. Depuis mi-avril, voilà, ça fait un mois, ça explose. Et puis, ben, du coup, j'ai fait des lives. Ouais, Et c'était voilà, tellement bien, tellement bien. c'était cool. Et du coup, moi, tous les jours, bon, c'est quand même fatigant, Ouais. mais tous les jours, c'était un coup de boost. Et tous les jours, en fait, bah, du coup, j'étais obligée, enfin, obligée, non, personne ne m'obligeait, mais j'étais obligée au moins de me saper, tu vois. En Oui, bas, je suis toujours en pyjama, tu puis d'être au taquet Mais au moins, intellectuellement et tout voilà, ça, parce qu'on oui, c'est sentait que tu ça, avais t'es pas en travaillé tes mode. trucs, on sentait que tu avais, oui, que tu avais anglais Ouais, ton tu vois, live et vite tout. fait. Ouais. Et ouais, enfin, faut préparer le truc, et c'est un rendez-vous, et puis tu vois toujours les gens qui reviennent, et enfin, ça fait plaisir, quoi, d'avoir, bah, tu vois que les gens te suivent. Et du coup, moi, ça m'a vachement boosté, ça m'a fait enfin, vraiment du bien. Et le partage était top, enfin, moi, enfin, tous mes invités étaient vraiment cool, Ouais. il y avait toujours un truc, enfin, voilà, je cherchais un angle, en fait, j'aurais pu inviter plein d'autres personnes, mais je cherchais des gens aussi qui avaient des projets qui pouvaient, moi, intéresser, bah, ma communauté, un peu comme je le fais avec la Gazette de Josette, où je partage des initiatives vélo, Ouais. tout ça, enfin, via des articles. Là, j'étais pas du tout motivée à écrire, c'était plus fort que moi, mais voilà, le fait de discuter, c'était souvent des entrepreneurs aussi, donc voilà, il y avait aussi cet échange-là. Donc c'était vraiment chouette, et finalement, bah, moi, je le vis vraiment bien, je l'ai vraiment bien vécu, ce confinement. Et enfin, là où je me suis rendu compte, c'est que ça fait 4 ans que je suis confinée, quoi. Ça va absolument pas changer mes habitudes. Voilà, donc à part pour aller faire les courses où tu sens que les gens sont vachement plus sur la défensive, et qu'avant, enfin, moi, je faisais mes courses en semaine où il y avait que Pépé Mémé qui était là, tu vois, et donc j'avais plein de place et tout. Là, il y avait vachement de monde, il y avait des caddies remplis, les gens étaient stressés. Moi, c'est le seul truc qui m'a un peu fait de. Voilà. C'était Mais sinon, l'extérieur en voilà. fait, c'était l'extérieur. Ouais, c'est extérieur. Donc, ben, moi, ouais, ça fait 4 ans que je bosse comme ça. Ça pourrait continuer. Mais, ouais, juste, ouais, il y a ma prod qui s'est arrêtée, mais qui la Ouais, reprend j'ai vu ça, tout ça doucement. reprenait. Et ça, que tu vois, j'ai plein plein de commandes, et je me dis, bon, oh là là, il y a trop de taf, va vraiment Comment on falloir. va faire? Comment on va faire? Voilà. Mais bon, enfin, pour moi, c'est super positif. Et voilà. Et puis, bah, apparemment, ça a bien plu. Les gens sont toujours là, mais toi, attends, je vois un peu. Bah, toi, ouais, t'as kiffé aussi Hey, les mais c'est lives. frustrant, tu Enfin, vois. voilà, c'est C'est que du frustrant parce que tu vois, positif. j'en ai raté 2-3. Et le Ouais. fait qu'on les garde que 24 heures, là, c'est super Ouais. agaçant, quoi. Bah, alors, en fait, là, ce qui est bizarre, c'est que c'est la première fois, là, quand j'ai arrêté le live d'avant, il m'a proposé de le mettre en IGTV. Donc, la première partie de notre live Ouais. à tous les deux, il est sur IGTV. Et alors que, bien, Instagram ne me le proposait pas les semaines Ouais. d'avant. Donc voilà, c'est que. Mais j'ai quelques enregistrements audio, Ouais. parce que j'ai réussi à en enregistrer certains. Je vais voir si je peux pas les partager. Ah, moi, je sais que Mais j'ai voilà. remarqué que quand je faisais mes tests, là, j'ai remarqué que sur iOS, il te propose de l'enregistrer dans ta pellicule photo, en fait. Ça dépend de la longue. Ça dépend, il faut de la place. Ah Parce oui. que des lives d'une heure, tu Ouais, vois, ou qui dépassent, ou même qui font 2 heures, ça prend vachement de place. tu crois Sur le comme ça, téléphone, les vidéos. Ouais, moi, il me le proposait pas. En fait, j'avais fait un test aussi, sur un autre compte, j'avais fait un test. Voilà, c'était pendant 1 minute. J'ai pu enregistrer la vidéo, ouais. mais les lives d'une heure, j'ai pas assez de Non, place sur mon téléphone. Je sais pas combien peut peser une vidéo d'une heure, mais voilà. Bon, j'ai pas entendu la cloche, elle a sonné. Il est 13 h. Donc, je pense qu'on va bientôt avoir le décompte aussi Ça d'Instagram va qui nous couper, dit, chérie. allez, ça suffit. Bon, en tout cas, il y a plein de gens qui disent bravo, merci. Donc, ouais, c'était vraiment cool, l'échange. Qu'est-ce qu'il dit? Super sympa le live. Je sais pas, tu vois les commentaires toi aussi? Ouais, mais tu sais, C'est. j'ai pas beaucoup de talent pour lire les commentaires. Apparemment. Est-ce que c'est possible d'avoir des alertes sur les interviews? Bah, ouais, il n'y a pas d'alerte. Je sais pas comment on peut faire des alertes. Bah, faut, de toute façon, si t'es connecté à la. Enfin, si tu suis la page, Vera, dès que je suis en live, tu reçois une alerte normalement. Et là, en Donc. fait, là, tu es sur Insta et en même temps, ça stream sur Facebook, c'est ça?
Non, pas du tout, c'est Ah que non? Instagram. Ah ouais, d'accord. Ouais, C'est. Ah ouais. c'est que Insta. C'est que Insta. En fait, c'est le seul truc où on peut avoir deux écrans pour voir aussi l'autre Ah invité. Bon, là d'accord, sur aujourd'hui, ça Facebook, aurait ça marche été. pas. D'accord, mais. Non, sur Facebook, je ne pense pas qu'on puisse le faire. Et puis là, il y a ben, les commentaires des gens aussi qui interagissent, donc c'est plutôt chouette. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait avec YouTube et Discord. C'est vrai que c'est. Les gens prennent la parole, c'est chouette aussi. Bon, je pense que ça peut vite devenir le bazar. Ah bah d'ailleurs, c'est vite le bazar, Mais ouais. ouais. Ouais, Oui, c'est vite le surtout bazar, s'il y ouais. a les Belges. Enfin bon, je me Ouais, c'est ça. comprends. Ouais, Et on a bus, vu si quelques tu Belges m'entends. passer. Ouais, et bus. Bah tiens, il fait. Et bisekeus. Bisekeus. Je pense que c'est les petits bisous belges. Bon, allez, il reste 1 minute et 14 secondes. Ah, ça y est, t'as Donc, un décompte. Ah ouais, c'est fou. ouais, il y a le décompte là. Ça, c'est Excellent. nouveau aussi, il n'y avait pas Ouais. avant. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû se mettre au live Insta. Insta a dû le capter, donc ils ont mis en place Ils ont dit, putain, les des serveurs vont trucs. exploser. Ah, c'est clair. Bon, il reste 1 minute. Alors, bah, tu veux dire quelque chose pour dire au revoir? Et bah Au bisous, revoir, toi. bisous. Et puis Bisous. j'adore tout ce que tu Oh, fais, Céline, oh vraiment. Ouais, merci. ouais, ouais. Merci. Tu es rock'n'roll, c'est génial. Ça chistole à fond les ballons, j'adore, 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 j'adore. Voilà, tu fais Trop du bien, d'amour. et puis voilà. Merci Tu fais beaucoup. partie de mes idoles en la matière. Voilà. Et puis c'est vachement bien ton histoire là, J'exagère. d'arriver pratiquement par hasard comme ça dans le RDM et puis ta Ah reconversion oui. plus tard avec Vera. C'est génial, c'est une Ouais, tout super ça, histoire. c'est...